Et le grand bonsoir à vous tous en ce jeudi 14 mars 2024. Quelle heure est-il ? 20h56, dans 4 minutes, on part pour un nouveau Focus. Focus, c'est quoi ? Focus, c'est une émission aéronautique qui donne la parole à un acteur du monde aéronautique. Des pilotes, des mécaniciens, des contrôleurs aériens, des agents de piste, agents d'escale, j'en passe et des meilleurs. Donc si vous, vous faites partie du monde aéronautique, eh bien la team MLN208 peut vous donner la parole. On essaye de parcourir tout ce qui tourne autour de l'aéronautique, et Dieu sait si ce monde est vaste, l'aéronautique. D'ailleurs, on ne sait parler que d'aéronautique dans cette team MLN208. Et ce soir, j'ai le grand plaisir. J'ai reçu des pilotes français. J'ai encore reçu des pilotes français. Mais alors, j'ai jamais reçu de pilotes suisses. On va voir s'ils savent voler, les pilotes suisses aussi. La Confédération Helvétique, un très beau pays, hein. Si vous ne savez pas où aller cet été pour vos vacances 2024, je vous invite vraiment à aller en Suisse. Je la connais très très bien, la Suisse. Elle est très belle, elle est montagneuse, il y a plein de lacs, on y mange bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est cher, la Suisse? Mais bon, à part ça, allez en Suisse. Alors, ce soir, oui, vous l'aurez compris, on part en Suisse. On va en Suisse romande, ils parlent français. Don't worry, be happy. Et j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume, il est pilote suisse. Salut Guillaume! Salut, salut, bonjour, bonsoir plutôt. Tu me reçois, voilà, on va passer ici. Alors, est-ce que c'est bon pour la cam? On peut y aller, on peut partir en cam, Guillaume? C'est bon? Mais oui, tout bon. Côté, alors, c'est magique, hein, c'est une nouveauté qu'on fait ce soir. Tac, regardez, vous avez vu ça? En haut, c'est moi, en bas, c'est lui. Voilà, salut Guillaume, comment tu vas? Bah, ça va très très bien, toi. Bah écoute, ça va bien. Quelle est la température qu'il fait en Suisse? Tiens, il fait 10 degrés ici en Italie. Combien il fait? Actuellement, il fait aussi 10 degrés. Il fait aussi entre 10 degrés, entre 10 et 12. Il fait 11 quoi alors chez toi, hein? Entre 10 et 12. Ça, on peut dire ça. Voilà. Comment il a été l'hiver avant de rentrer dans le vif du sujet, etc. Alors, vous avez vu, il y a le bot qui vous envoie des messages toutes les 5 minutes. Vous avez une question, posez-la à notre invité Guillaume B. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Comment il a été l'hiver en Suisse? Est-ce que c'était un hiver bien enneigé? Parce que la Suisse, c'est quand même 3/4 de montagne, hein, ton pays. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup. Mais écoute, c'était un hiver pas comme les autres. On a eu presque pas de neige. Ouais. Donc un petit peu dommage. Ouais. Mais généralement, il y a pas mal de neige. Il est un petit peu plus chaud. Mais sinon, c'est un beau pays quand même. Oui, ça. Non, c'est un. T'as vu, je l'ai dit en introduction. Hein. Si vous ne savez pas où aller cet été 2024, c'est pas très très loin. En plus, si vous habitez en France, en Italie, en Allemagne, en Belgique, Luxembourg. Aller en Suisse, il y a des villes magnifiques, on va en citer quelques-unes, on va faire un peu de promo pour ton pays. Alors Genève, faut aller voir Zurich aussi, Lausanne, tu me corriges hein, Guillaume, si je dis une grosse connerie, mais Lausanne, ouais. C'est un petit peu le San Francisco suisse, parce que Lausanne, ça monte, ça descend, hein. Oui, on peut dire ça, excellent exemple d'ailleurs, il y a beaucoup de hauts et de bas dans Lausanne, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Ça monte pas mal. D'ailleurs, l'aéroport est situé tout en haut de Lausanne. On va en parler. Petite information. Salut à toi, Hunter Simu. Hunter Simu, il est pilote, Guillaume. Il est pilote du LM. C'est un copain de la team dans le nord de la France. Voilà. Salut à toi, Romain. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Berne aussi, la capitale fédérale, qui est assez sympa. Lucerne, magnifique aussi à voir. Hein. Faut aller à Lucerne. Ouais. C'est une très belle ville. Voilà, puis qu'est-ce qu'il y a comme Lugano aussi, dans la Suisse italienne, c'est assez sympa. Oui, hein, voilà. Lugano qui est assez sympa, là où tu as les pizzas, comme tu le disais, assez souvent chères. Les pizzas chères. Mais assez bonnes. Mais assez bonnes. On a la zone aéro. Important. On a la zone aéro qui nous rejoint. Salut Seb et toute l'équipe. Un petit coucou depuis Lima, Foxtrot, Mike, Papa. T'es à Perpignan, toi? Qu'est-ce que tu fous à Perpignan, Seb? C'est une chaîne, hein, la zone aéro, hein, si vous la connaissez pas, et je t'invite aussi Guillaume à aller la voir, Twitch, la zone aéro. Ils font des émissions sur le monde aéronautique, eux aussi ils ne savent parler que d'une seule chose, c'est du monde aéronautique. Ils sont en live tous les mercredis soirs, 19h30 ou 20h30. Ils ont très très souvent, mais quasiment tout le temps, un invité. Voilà, et des invités
prestigieux. Et puis, il y a une nouvelle émission à laquelle je participe qui s'appelle Push to Talk, qui a lieu un dimanche sur deux. Et la prochaine, Seb, corrige-moi si je dis une connerie, mais c'est dimanche prochain et peut-être que je serai l'un des intervenants. Voilà. Et salut à toi, Team 60. Ah ben j'ai regardé. Team 60. Ouais, tu tapes Twitch, la zone aéro, tu trouveras. Ils ont un site internet, une chaîne YouTube, Instagram. Ils ont tout comme toi. Guillaume, justement, parce que je parle de tous les réseaux sociaux, ben, il est sur Twitch. D'ailleurs, le bot vous enverra le lien de son Twitch. C'est un YouTuber, il a une chaîne YouTube. Ouais. D'ailleurs, les vidéos qui passent derrière nous, enfin avec nous, sont tirées de sa chaîne, de magnifiques vidéos. On en parlera dans quelques instants. Instagram aussi, t'as Guillaume, je crois. Oui. Instagram ou ça. Instagram, je suis pas très actif, mais je l'ai. Mais tu vas voir qu'après le live, il va falloir que tu sois actif. Et t'as Facebook aussi, j'ai vu. Oula, alors ça. Ah oui. Oui, ça, c'est possible. Ah, d'accord. Mais alors là, il est même pas sur le téléphone. Regarde. Il est même pas au courant qu'il a Facebook. Alors attends, je lis quand même les messages. La zone aéro, donc Seb, tu as fait du PA 34 en IFR. Eh ben, on va en parler d'IFR ce soir, Seb. Voilà, prends-toi une bonne bière et puis reste avec nous. Donc voilà, Guillaume, il est, j'ai envie de dire, un peu complet. Donc, pilote, ça, on va en parler évidemment pendant le live. Mais il a Twitch, il a YouTube, il a Instagram. Alors, première question, parce que là, je dis tout ce que tu as, mais qui es-tu? Tu t'appelles Guillaume. Est-ce que tu peux un peu te décrire? Voilà, la parole est à toi, Guillaume. Qui es-tu, Guillaume? Bah écoute, je m'appelle Guillaume. Je vis en Suisse. Je suis donc Suisse. 25 ans. Et je suis en fin de formation pilote professionnel, et puis future transition PC-12. Et voilà, ça fait un bon petit moment que je vole, 3 ans, voire peut-être même 4. Il faut que je regarde quand est-ce que j'ai fait la licence, parce que je m'en souviens plus, mais ça doit faire bien 4 ans. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai fait toutes mes licences en Suisse, à Lausanne, de base, et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, je sais ce que tu vas dire de plus, c'est pourquoi as-tu décidé d'être pilote? Comment t'es venu cette passion de l'aviation, du monde aéronautique? 3 questions, quand, comment et pourquoi? Alors, c'est assez intéressant parce que dans ma famille, absolument personne n'est pilote. Je suis le seul. Je suis absolument le seul. Et en fait, on habitait avant, donc il y a plusieurs années, on habitait juste à côté de l'aéroport de la Blecherette, justement. Là où je décolle principalement dans les vidéos qui tournent à côté de nous, là. Et à chaque fois, je voyais les avions qui passaient et les hélicoptères, surtout de la Rega. Je ne sais pas si tu connais la Rega. Oui, la Rega. C'est hélicoptère. Voilà, on va expliquer pour ceux qui nous regardent. Donc, la Blecherette, c'est le petit nom de l'aérodrome de Lausanne. Donc, on est bien en Suisse romande. C'est ça. La Blecherette avec une piste de 800 mètres. Et puis, la Rega, c'est un peu la... Enfin, c'est pas que c'est un peu. C'est pour la France, la sécurité civile. Voilà, la Rega. C'est ça. Magnifique. Exactement. Du coup, ils font les mêmes missions. Et puis, je les faisais que de les voir passer. Et à force de les voir passer, et puis tu es tout le temps à côté de l'aviation, ça m'a pris. Et puis, j'ai toujours été intéressé. Et puis après, est venu... les ordinateurs, est venu les simulations, puis ensuite ça a pris son ampleur petit à petit, et puis voilà pourquoi j'ai tant voulu faire ça. Ça m'a pris du temps parce que bon, ça coûte de l'argent, hein. Bon. Surtout en Suisse. J'ai pu en trouver, donc j'ai pu le faire, surtout en Suisse. Mais en tout cas, oui, j'étais à côté d'un aéroport et du coup, ça m'a donné envie de le faire et j'ai pu finalement faire mon souhait. Voilà, ben ça c'est bien. Alors, et puis quand est-ce que c'était? C'était il y a au moins 10 ans. Il y a 10 ans. Et attends, juste une parenthèse parce que j'ai dit coucou à Team 7492, mais j'ai pas percuté qui était Team 7492. Salut mon team, comment vas-tu? Est-ce que tu es encore au Qatar ou est-ce que tu es rentré? Team, c'est mon pote et il est pilote Family Airbus, voilà. Il pilote ces avions-là, ces Airbus, c'est pas qu'on les appelle comme ça. Voilà, donc un gars super sympa aussi, qui est pas très loin de chez toi, puisqu'il est originaire de la Haute-Savoie, de Annemasse. Donc Lausanne, Annemasse, tu vois. Ah oui, bah, c'est, pas loin, pas loin.
Excuse-moi, Tim, je n'avais pas reconnu tout de suite. Il y a tellement de gens maintenant aussi, je ne sais plus qui est qui. Par contre, tu peux nous dire où c'est que tu es, Tim, hein, si tu es au Qatar, si tu es en je sais pas quoi, tu peux interagir. Et si tu as une question à poser à Guillaume, notre invité, ben, n'hésite pas. Alors, personne dans le monde aéronautique, tu es à côté de Lausanne-Blecherette, tu vois ces avions, hélicoptères qui posent, qui décollent, qui posent et qui décollent, etc. Tu te dis, mais moi aussi, j'ai envie d'apprendre à piloter. Et Exactement. tu as commencé quand? Alors que tu me dis, ça date à peu près il y a 10 ans, mais il n'y a pas si longtemps que ça que tu as commencé les cours, on va dire. Ouais, c'est ça. En fait, j'habitais toute mon enfance là-bas, à côté de la Blecherette. Et du coup, ça m'a donné envie de le faire, mais il faut trouver les fonds. Du coup, je pouvais pas commencer. Donc, je faisais juste regarder les avions. Puis après, j'ai pu commencer à faire mes formations sur les petits avions, à savoir que j'ai une formation initiale militaire pour piloter. Et c'est ça qui m'a permis de faire des heures et des heures. Et puis ensuite, j'ai pu avoir de l'aide de la Confédération ainsi que de ma famille pour pouvoir faire mes licences professionnelles ainsi que privées. Et puis oui, ça fait 10 ans, mais ça fait que 4 ans en soi que Que j'ai tu as commencé. commencé. Alors, quand tu dis qu'il fallait que tu trouves une certaine somme d'argent, donc je suppose qu'en Suisse, bah, c'est un petit peu comme ici en France, en Italie, et quasiment partout dans le monde. Donc, ta première licence que tu as passée, c'est le fameux PPL, donc la licence privée du pilote du dimanche, comme on aime bien dire ici en France. On est bien d'accord, Guillaume, c'est le PPL que tu as passé ensuite, le PPL A en plus, pour préciser, hein, parce qu'il y a deux PPL, le A pour l'aviation, pardon, et le H pour les hélicoptères, qui coûte encore plus cher que le PPL A. Donc toi, c'est le PPL A Juste qui un du coup, peu. ouais, juste un peu, hein, quelques dizaines de francs suisses ou d'euros en plus. Donc toi, tu décides de passer le PPL. Alors comment ça se passe? Le pourquoi? Est-ce que tu avais déjà des connaissances aéronautiques? Est-ce que tu avais déjà un petit peu bouquiné avant? Ou est-ce que tu es vraiment arrivé, on va dire, en culotte courte à l'aérodrome de la Blecherette? Bonjour, monsieur l'instructeur. Vous savez piloter. Apprenez-moi à piloter. Comment ça s'est passé, cette première approche? Alors, bah comme je disais, j'étais très intéressé par l'aviation avant même de commencer à faire de l'aviation avec les simulateurs, etc. Et puis j'ai pu rejoindre IVAO, qui est un réseau international, on peut le dire, hein, où on peut Oui, faire du bien contrôle sûr. aérien, du vol dessus. Et puis, il faut le dire, leur documentation pour expliquer l'aviation est extrêmement précise et vraiment bien faite. Du coup, bah j'ai pu commencer à lire ces détails, etc. Donc, je suis pas arrivé novice, on va dire, dans les cours, mais j'avais déjà un petit background, et puis sachant qu'après j'ai fait des formations militaires, et puis là ça m'a donné des heures et puis de la connaissance en plus. Donc au final, quand j'ai commencé la licence privée, j'avais quelques connaissances déjà, oui. Ok. Et dans le chat, on accueille Delta Tango 22, c'est notre copain Denis de la Bretagne. Et puis, il y a ton quasiment conscrit, hein, c'est Playfox 7 Tango Victor, c'est l'ami Fabian. Et t'as vu, on est en webcam, Fabian. On fait des efforts ce soir. Et tu nous Comment il va dis. appeler Fox? Oh, je pense qu'il va bien. Il nous dit 40 000 francs suisses, c'est pas très cher. 40 000 francs suisses, c'est quoi? C'est le prix du PPL, c'est ça? PPLH. PPLH, à mon Ah, avis, je pense qu'il parle du PPLH, d'accord. PPLH, Ok. à mon avis. Car le PPLA, Voilà, à ok. titre indicatif, c'est entre 20 000 et 25 000 francs. Ah ouais, d'accord. Donc c'est quand Ouais, même. voilà, pour PPL Hélico. Ouais, alors, voilà. Et puis, salut à toi, Bibouni 23, t'es nouveau, le bot, il est intelligent, il sait que vous êtes nouveau. Merci à toi. Si tu as des questions à poser à Guillaume, notre pilote suisse, tu n'hésites pas à poser tes questions. Oui, c'est quand même vachement cher la Suisse, parce qu'en France, il faut compter quoi? 10, 12 000 euros pour un PPL A. Je parle bien d'un PPL A, donc pour les avions légers. PPL A, j'en ai aucune idée, mais je pense qu'on peut rajouter 10 000 euros derrière. Oui, donc la Suisse, c'est pas avantageux d'apprendre à piloter en Suisse quand même. T'aurais pas pu, Guillaume. Alors, Lausanne, oui, c'est pas tout à fait à côté de la frontière. Mais moi, j'ai un pote, par exemple, qui a appris à piloter, il est belge. Et bien, il est venu apprendre à piloter en France, que ça lui coûtait moins cher. Ça lui coûtait moins cher et en plus, il pouvait parler en français. Au Alors, niveau de la radio.
C'est une possibilité. Après, tu vois, ça dépend de plusieurs choses. Lausanne, c'est le plus gros aéroport VFR de Suisse. Donc, c'est aussi pour ça que les prix sont un petit peu plus élevés. La même chose pour Sion. Je pense que Playfox pourra le confirmer. C'est des assez gros aéroports. Donc, il y a pas mal de membres. Donc, les prix sont assez chers. Mais si on va dans des petits aérodromes un peu tout petits en Suisse, comme la Gruyère qui se trouve vers Bulle, ou bien un peu plus haut vers le Jura, ce sera moins cher. Et après, de le faire en France ou pas, il faut aussi prendre en compte les déplacements en véhicule. Tu vois, pour aller jusqu'à la frontière, moi, ça me prend déjà 1 heure. Donc, au bout d'un moment, faire les allers-retours, déjà avec l'essence, le véhicule, puis ensuite aller voler, ça devient encore plus compliqué. Et au final, on arrive presque au même prix, de faire ces allers-retours-là. On ne Non, va mais c'est pas sûr. vraiment économiser beaucoup. Tu Tu vois. aurais été à Genève, bon bah tu fais 5 minutes de marche à pied, puis t'es en France, ne serait-ce que Lausanne. Voilà. Ouais, c'est soit tu vas vers Genève pour rentrer en France, ou soit tu pars vers le Jura, et du style aller à Pontarlier, par exemple, dans le Jura, mais c'est vrai que ça fait des frais kilométriques en plus, etc. Alors, le PPL en Suisse, comme ça vous avez une idée à peu près des prix, hein, s'il y en a qui veulent aller faire le PPL en Suisse. Ça vous intéresse? Peut-être que ça vous intéresse, hein, vous prendrez contact avec Guillaume, il vous dira. Alors, tu as dit une chose, je voudrais rebondir. Tu dis qu'en Suisse, Ouais. Lausanne est le plus grand aérodrome pour le VFR. C'est même un aéroport. Ouais. C'est Oui. aéroport, il n'est pas PPR et puis c'est un aéroport international. Donc il est donc c'est pas comme Genève ou Zurich qui est vraiment de l'international qui accueille du 320 ou autre, mais c'est un aéroport régional international où tu as des Cessna Citation qui posent, des PC-12, des grosses machines qui viennent de l'Europe. Et là où il y a pas mal de VFR, il y a beaucoup de rotation, en tout cas. Oui, enfin, en sachant, on est C'est bien pour ça que d'accord c'est le plus que long. Lausanne, c'est quand même que 800 mètres de pièces, quand, de 800 mètres de piste, pardon, non pas de pièces. Donc, quand tu dis Exact. il y a Ouais. des gros avions qui arrivent, 800 mètres, c'est court quand même, hein. Ouais, bon, on a. Bon, tu peux rajouter 45 mètres, hein, c'est toujours intéressant, 45 Ah mètres, oui, 845 mètres. pardon, Non, 845, je d'accord. t'embête. Oui, Mais t'as oui, raison, t'as raison. on a des belles machines. On a des belles machines. Le PC-12, qui est la machine la plus incroyable que je connaisse, en tout cas, je l'adore, qui peut atterrir sur des distances On va en reparler ça, concurrentielles. on va en reparler du Mais oui, PC12. 845 mètres, ça paraît petit, mais en soi, pour pas mal d'aéronefs, c'est suffisant. Ok. C'est suffisant. Voilà. Alors, salut à toi, Michael, un copain de la team MLN 208. Lui, il est normand. Il est à une très belle ville d'ailleurs, c'est un, avec un bel aéroport aussi. Guillaume, si un jour tu as envie de faire une escapade en France, on en reparlera aussi, hein, de ton fameux parcours entre Lausanne et Propriano en Corse. Ah oui, Euh, en la Corse. ville, la ville de Rouen, voilà. Tu peux aller. La ville de Rouen, elle est magnifique. La ville de Rouen, on y mange bien. Et puis, je te donnerai l'adresse de mon pote Mickaël. Il t'emmènera dans les bons bars, voilà. Alors, on a une question. Alors, de Bibouni23, tu pilotes où? Voilà, je te laisse répondre, même si tu as déjà dit, mais peut-être que Bibouni n'était pas là. Eh ben écoute, je pilote à Lausanne, en Suisse, sur l'aéroport de Lausanne, Blecherette. Un petit aéroport régional en Suisse, proche du lac Léman. Assez sympathique. Oui, ah ben là, Clément, il est intéressant. Et Ouais, Romain qui nous dit, Rouen, c'est juste connu pour le tunnel quand on va en vacances pour éviter Paris. Ah, bon, battez-vous entre vous, hein, Romain et Mickaël, vous battez. Ton parcours, il se passe comment? Raconte-nous un petit peu le PPL. Sur quelle machine as-tu appris à piloter? Est-ce que tu as toujours eu de A à Z le même instru? Ou est-ce que tu as changé d'instru en cours de formation parce que le premier t'allait pas et peut-être le deuxième non plus, et c'est finalement le troisième qui t'a plu. En combien de temps as-tu passé ton PPL? Je rappelle que le PPL, vous avez l'épreuve théorique et puis l'épreuve pratique, et puis il y en a plusieurs d'ailleurs. Raconte-nous tout, ton parcours, voilà. Appareil, Écoute, instructeur. j'ai commencé là. Alors, je saurais plus te dire la date parce que ça fait un petit moment quand même, vu que ça fait au moins Oui. 4, 3 ou 4 ans. J'ai commencé la théorie. La théorie, ça m'a pris 1 an et demi, si je me trompe pas, parce que je travaillais à côté, j'étais en formation professionnelle.
pour avoir un backup au cas où, vu que je voulais quand même faire professionnel en aviation, mais on sait jamais, donc comme ça j'ai un backup. Ça m'a pris 1 an et demi à faire la théorie, mais par contre j'ai gardé toujours le même instructeur pour la PPL. Donc j'ai toujours le même instructeur, mon instructeur depuis le début, une personne très très sympathique et qui a beaucoup de connaissances, c'était super sympa. Et j'ai volé sur le Piper PA-28 160 Warrior, qui était, il existe toujours, il est toujours, on peut toujours le voler à la Blech Red. Je le vole plus maintenant depuis que j'ai touché au Breitling, qui a 236 chevaux. Donc c'est pour ça que je ne m'amuse plus trop avec lui. Ouais. Mais je suis resté sur celui-ci. J'ai passé mon examen sur celui-là. D'ailleurs, l'immatriculation, c'est le Hotel Bravo Papa November Lima. Pour ceux qui veulent voir à quoi il ressemble, il est blanc avec une petite ligne bleue. Il était super sympathique. C'était un tracteur qui n'avançait pas, mais vraiment plaisant à voler. Voilà. Vraiment plaisant à voler. En tout cas, dès qu'on volait, on était dedans, ça bougeait plus. Voilà. Donc voilà, puis après pour la pratique, ça m'a pris vraiment la pratique, c'était rapide ça par contre, ça m'a pris 12 mois je crois, ouais. Ou 11 mois. 11 mois, c'était assez rapide. Oui, une année, c'était intéressant. Bien, après, c'est bien. Oui, oui, bon, je volais, j'avais de la chance, je pouvais voler une fois par semaine, des fois on espaçait parce que la météo n'était pas franchement incroyable. En Suisse, à cause de l'arc lémanique. Et puis, on est un peu dans une cuve. Et du coup, en hiver, on a souvent le stratus. Et du coup, ça nous bouche pas mal les départs. Donc, c'est pour ça qu'on ne vole pas trop en hiver. C'est un peu complexe de voler en hiver en Suisse. Mais l'été est plus favorable. Donc, l'été, ça a été très, très vite. Mais l'hiver, hein, c'est un peu stoppé. Eh ouais, mais... Et puis après, j'ai passé mes examens. Et à l'examen, j'ai eu la chance d'avoir 2 experts à bord. Un expert qui expertisait l'expert et l'expert qui m'expertisait moi. C'était fantastique. Voilà. Et puis, un petit Lausanne-Berne. Et arrivé à Lausanne du crosswind, donc vent de travers à 20 nœuds, c'était intéressant. C'était sportif. Alors, moi, je ne sais pas si vous avez fait attention, pour ceux qui nous regardaient, merci d'être là. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser vos questions, Guillaume. Mais un mec en or, alors je ne le connais pas en chair en os, enfin là je le vois, mais je ne le connais pas. On va se voir, on va se rencontrer vraiment en chair en os, on va manger la pizza, puisqu'on est à combien, 46 minutes de vol, je crois, depuis Lausanne pour venir à Bella. Ouais, on est pas loin. Et donc il a une chaîne Twitch hein, que le bot va vous envoyer de temps en temps, et c'est comme ça que j'ai découvert. Et allez la voir, hein, sa chaîne c'est Matt Doofy. Tiens, oui d'ailleurs, je te la pose après la question. Matt Doofy, mais le bot vous l'envoie. Mais si vous avez fait attention à son discours, il a dit la PPL. En France, on dit le PPL. Alors pourquoi tu dis la PPL? C'est une faute que tu as fait ou non? En Suisse, on dit la PPL. La licence. Parce que pour nous, privé. On dit une licence. Ouais, et vu ouais, que d'accord. C'est une licence féminin, on dit la PPL. D'accord. Bah c'est oui, sorti comme ça. Par contre, ton conseil. Parce qu'on pourrait, tu vois, on pourrait dire une licence ou un brevet au final. Ouais, ça voilà. Au même. Et par contre, toi, Fabien. Mais comme il y a des personnes qui disent le Nutella et d'autres qui disent la Nutella. Ah non, c'est la Nutella en italien, la Nutella. Ah bon, voilà. Playfox. Ouais, j'ai lancé un débat. Ouais, ouais, catastrophique. Playfox, par contre, lui, il dit le PPL. Tu vois, il est un peu plus français que toi. Et apparemment, en Suisse, on dit la PPL. Mais ce qui n'est pas idiot, hein, c'est vrai que c'est la que licence de pilote privé. Tiré de l'anglais. Voilà. Ouais, bon, bah, nous en France, on dit le PPL, ouais, la PPL. Enfin, bon, bref, l'important, c'est de l'avoir. Alors, attends, je lis un peu les messages qu'il y a. Non, bah, ça, c'est les discutes. Sauf chez moi, tu parles de quoi, Playfox, tu... Vive le Valais. Oui, t'es dans le Valais, toi. Très beau canton. Attention, parce qu'en Suisse, ce sont des cantons, ce sont pas des régions. Les cantons. Voilà, toi, t'es dans le canton de... T'es dans quel canton? Canton de Vaud, toi, Guillaume? Exact. Voilà. Je suis dans le canton de Vaud. Il paraît qu'entre les Vaudois et les Valaisans, il y a un peu de guéguerre, non? C'est vrai, ça? Ouais, il y a une petite guéguerre, c'est familial. Ah, c'est familial. On dit qu'ils ont la plus belle vue parce qu'ils ont la vue sur le canton de Vaud, et etc. Ouais, voilà. Guillaume, un compliment de la part de mon pote Michael qui est de Rouen, qui dit en plus que tes lives sont hyper cool. Il est passé hier soir. Merci beaucoup. Il est passé hier soir, c'est lui qui a écrit Le Vieux. En parlant oui, de moi. je l'ai vu. Voilà, c'est Michael, c'est mon pote que je connais en chair en os. Alors, le parcours se fait, donc en 12 mois, tu décroches ton PPL, etc. Mais tu t'arrêtes pas là parce que, si j'ai bien compris, ton but dans la vie, c'est d'être pilote professionnel.
C'est ça, pilote Donc, professionnel. le PPL, c'est gentil, on vole le samedi, on vole le dimanche, et puis le jour de Pâques aussi. Mais toi, tu veux aller plus loin. Alors, après ce PPL, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu décides? Parce que derrière, tu en parlais déjà pour le PPL, avant de te lancer, ben, il y a un coût financier, et apparemment en Suisse, c'est quand même assez important. Oui. Qu'est-ce que tu décides dans ta tête le jour où on te dit, monsieur, c'est bon, vous avez votre PPL, tu peux voler le samedi, le dimanche. Mais toi, tu veux aller plus loin. Bah écoute, j'étais déjà content de voler le samedi et dimanche, donc j'allais voler assez souvent d'ailleurs, pour un peu découvrir mon pays vu d'en haut. D'ailleurs, c'est pas du tout la même perspective pour ceux qui ne volent pas, c'est assez intéressant. On n'a pas du tout la même perspective d'en haut ou sur les routes. Donc c'était déjà pour voir et découvrir. Enfin, j'adore découvrir. Donc une fois que j'ai découvert la Suisse, après j'ai commencé à m'étendre sur la France, comme tu vas sûrement me poser des questions où j'étais en Corse. Ouais. Donc j'aime bien découvrir et voir plein de choses. Et puis de base, c'était mon rêve, c'était d'être pilote professionnel. Et du coup, dès que j'ai eu ma PPL, j'ai fait mes heures. Et après, il y a eu des petits moments de réflexion, savoir si je faisais la bonne chose ou pas. Et je me suis dit, vas-y. On va faire pilote professionnel. Du coup, je me suis inscrit à l'école et puis ça a commencé. Et puis, vu que j'ai la chance, en fait, vu que j'ai pu faire l'armée et toutes les formations avant, en Suisse, on a une possibilité, même pour ceux qui ne l'ont pas fait, hein, ils peuvent faire un concours à Berne et puis s'ils le réussissent, la Confédération fournit une partie, une sorte de bourse pour fournir, enfin pour financer, pardon, ta licence professionnelle. Donc, vu que j'avais tout le cursus militaire derrière, je l'ai eu tout de suite. Donc, ça a pu réduire de moitié Ah oui. le coût financier pour devenir pilote professionnel. Alors quand tu parles, quand tu Donc, dis que tu voilà. as tout le cursus militaire, je dois t'appeler mon général, mon colonel, non? Non? Non, non, surtout pas, surtout pas. Non, surtout Je me suis arrêté à sergent. pas. Ouais. De base, si je voulais continuer, j'aurais dû monter lieutenant. J'ai préféré choisir la version civile, c'est beaucoup plus chill et sympathique. Mais D'accord. ouais. Sinon, tu peux rester sur Guillaume ou sur Matt. Pas de problème. Alors, donc tu décides de continuer la formation. Tu as parlé juste à l'instant que tu t'es inscrit dans une école. On peut donner le nom de cette école? Parce qu'il y a plein de gens dans tous les lives qu'on fait et puis dans les lives que je regarde aussi. La plupart des jeunes qui sont passionnés par le monde aéronautique sont littéralement paumés. Je trouve qu'ils sont paumés en 2024, qui est le troisième millénaire, qu'on était beaucoup moins paumés à mon époque. Les gens sont paumés, ils savent pas où aller, quelle porte il faut frapper, quel numéro de téléphone il faut composer, etc. Est-ce qu'il faut mieux faire en France? Tout le monde rêve, je parle pour la France, hein, Guillaume, tout le monde rêve évidemment de faire les cadets d'Air France parce que c'est la seule école où on te paye pour apprendre à piloter, que les autres, il faut que tu payes pour apprendre à piloter. Mais tout le monde peut pas faire les cadets d'Air France, c'est assez, le concours d'entrée est assez... assez hard quand même. Quelle école as-tu choisi? Est-ce que tu peux en parler de ton école et peut-être bah donner Oui, bien sûr. les plus et les moins de cette école et peut-être que ça pourra inciter des jeunes bah aller dans l'école que tu fréquentes encore aujourd'hui? Alors écoute, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que, en fait, le problème, c'est que maintenant, on a beaucoup, beaucoup de possibilités dans les écoles. On a beaucoup de choix par rapport à ce qu'il y avait avant. Parce qu'avant, tu avais une école qui était connue, tu y allais, tu faisais. Maintenant, il y en a plein qui existent, des écoles. Du coup, il faut choisir la bonne. Et après, j'ai choisi cette école-là parce que ça me permettait d'avoir une formation bien spécifique, parce que je connaissais les instructeurs qui faisaient les cours et je sais que leur background à eux était vraiment, vraiment bien. Et du coup, j'ai choisi cette école. Ce n'est pas la moins chère, je ne le cache pas. Alors le nom de C'est. l'école, le nom de l'école, le nom de l'école, on veut le nom de l'école. Tu veux le nom de l'école? Eh ben, Ah bah c'est oui. Air Espace Flight Academy qui est Aerospace basé Flight à la Academy. Blecherette. Ah ok. Et en fait, tu as deux. On va dire. En fait. Tu as déjà un problème. Le premier, c'est que là où j'ai fait ma PPL, c'est une école et cette école, elle a comme diplôme un DTO qui en fait te permet de donner des cours et faire toutes les licences privées, mais ça ne te donne pas l'autorisation de former des pilotes pour le commercial, pour devenir professionnel. Il faut absolument que tu trouves une ATO. Et ces ATO-là, il n'y en a pas 50 000 en Suisse non plus. Tu en as une qui est basée à Genève, tu as Air Espace, et puis le plus grand concurrent de Air Espace, tu as Horizon, qui est basé à Zurich, qui est d'ailleurs une filiale de Helvetic.
la compagnie aérienne helvétique. Okay, ouais. C'est une de leurs filiales. Et puis, bah, j'ai regardé. Et après, on a un autre souci à se poser comme question. C'est aussi, quand tu vas dans une entreprise et que tu montres comme quoi tu as eu ton papier, eux, ils s'intéressent aussi à savoir chez qui tu l'as fait. Donc, si tu le fais chez Poète, je ne sais pas où, ils vont se dire, bon, il a eu une formation, il a la professionnelle, mais on ne sait pas qui c'est qui l'a formé, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Par contre, si tu vas dans une bonne école, ils vont savoir quelle école, peut-être qu'ils seront même affiliés, mais là, tu vas devoir payer beaucoup plus cher. Donc, j'ai regardé Genève, qui est un aéroclub, tu peux faire ta licence professionnelle, mais il n'est pas forcément connu de tous. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas trouver de travail. Hein. Ça, c'est très intéressant hein, et important à savoir. Tu peux trouver du travail. C'est juste pour donner des aides en plus. Donc, je me suis dit, bon, on va regarder. Pas sûr de faire là-bas. Et après, il y avait Airespace. Et puis, Airespace, eux, ils sont approuvés par EasyJet Switzerland, qui est une compagnie low cost, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je doute que personne ne connaisse EasyJet sur ce Discord. Enfin, sur ce Twitch, pardon. Désolé. Et en fait, ça ne veut pas dire que tu vas être tout de suite pris si tu as réussi avec Airespace. Non, ça permet juste de passer par-dessus les autres si jamais ils doivent choisir. Donc, si plusieurs personnes ont réussi, ils vont regarder et ils vont se dire, tiens, lui, il a fait Airespace, elle est reconnue, et celui qui a fait une autre école, il n'est pas trop reconnu, bah, ils vont prendre celui qui a fait Airespace parce qu'ils connaissent comment on est formé, ils savent qui nous forme, et ils savent que c'est, on va dire, je veux pas dire de la qualité parce que toutes les écoles sont soumises à des normes, du coup, la qualité est là, mais ils savent sur quoi peuvent s'attendre, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Airespace, parce que ça pouvait me fournir en fait plus de possibilités d'avenir si jamais mes autres projets d'avenir ne fonctionnaient pas. Ça coûte plus cher, mais c'est un tout petit plus supplémentaire. Et puis en plus de ça, comme je l'ai dit juste avant, les instructeurs que je connais, ils ont un background énorme, des milliers d'heures, et ils ont que à apprendre, donc que à t'apprendre à toi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Airespace. Ok. Voilà. Airespace, donc on a bien compris, c'est une école qui est en Suisse, qui coûte un certain pactole, comme on dit. Tu peux nous donner une fourchette de prix ? Alors, pour la licence professionnelle, on tourne sur les 125 000 francs. Alors, 125 entre les 110, 125. Ouais. Voilà. Et c'est à peu près pareil en euros, hein, parce que l'autre jour, on regardait la conversion franc-suisse-euro, c'est quasiment 1 franc-suisse égale 1 euro, je crois que c'est 0,95 ou 96, j'ai pas le cours du jour. On n'est pas loin. Veuillez m'en excuser, mais en gros, les chiffres que nous donne Guillaume en franc-suisse, sa monnaie locale, parce qu'ils n'ont pas l'euro, évidemment, pensez que c'est qu'ils parlent en euros. Voilà. Donc, c'est ça. Hein. Tim, si tu es encore là, hein, on est dans ces prix-là. Alors, une question que je voulais te poser. Tu as choisi une école en Suisse. Oui. Tu es suisse, tu vis en Suisse. Tu as fait une école suisse. C'était un choix de ta part de rester dans ton propre pays, ou est-ce que tu as fait des démarches pour regarder des écoles à l'étranger? Je parlais de Tim qui, lui, est français. Lui, il est parti à Vilnius. Moi, j'ai un autre pote, il est parti faire... Bon, après, il a les conversions, parce qu'il est parti faire ça aux États-Unis. Après, il faut tout reconvertir pour l'espace européen, enfin, le hasard. C'était un choix de ta part de rester dans ton pays, ou est-ce que tu as quand même été voir un peu ce qui se passait à l'extérieur de la Suisse? Alors, j'étais voir un peu à l'extérieur, parce que c'est toujours intéressant d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, et aussi tu peux apprendre plein de nouvelles choses et aussi découvrir un pays, hein, parce que tu y passes du temps, tu peux le découvrir. Après, les problèmes, c'est surtout au niveau des lois locales. J'ai beaucoup regardé au Canada et aux États-Unis. Après, on sort avec une licence FA, qui est l'autorité américaine, nationale ou internationale du côté ouest du globe. Mais le problème, c'est que tu sors avec une licence, c'est tip-top, nickel. Sauf que quand tu veux revenir en Suisse, tu dois absolument tout repasser. Ah bah oui. C'est comme si ça revient à zéro. Ils ne veulent pas savoir où est-ce que tu l'as fait, comment tu l'as fait ou autre. La théorie, tu la repasses. Donc au final, oui, tu payes moins cher, mais ça revient au même. Donc tu dois repasser tous les examens. Donc je me suis dit, bon... Oui, je peux découvrir l'Amérique, etc. Après, c'est pas forcément les mêmes
Procédure. Oui, c'est OACI, ils ont les mêmes panneaux, les mêmes taxiways, etc. Mais les procédures, rien que ATC n'est pas pareil. Donc, vu que je voulais principalement me baser en professionnel dans l'Europe, je me suis dit autant trouver une école en Europe. Et après, encore une fois, il y avait la possibilité d'aller en France dans une école ou bien d'essayer les cadets dans un autre pays, parce que par exemple, il y a en Suisse, Lufthansa, Swiss, il y a Air France. Et après, je me suis dit, pourquoi m'embêter à voyager alors que bah, je l'ai juste à côté de chez moi à 10 minutes? Donc je me suis dit, bah, je fais chez moi et j'habite à 10 minutes et puis c'est bon. Voilà, C'est rapide. comme ça tu peux y aller en patin à roulettes ou en bicyclette à Voilà, l'aérodrome exactement. de Lausanne-Bleichert. Exactement. Question piège pour toi, le code ICAO, enfin OACI pour parler français de Lausanne. Allez, c'est quoi Lausanne? C'est Lima, Sierra, Golf, Lima. Voilà, Lima, Sierra, Voilà, Golf, voilà. Lima. LSGL. Et en luge aussi, nous dit Denis, bah oui, il pourrait y aller en luge, mais apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de neige cette année, donc voilà. Ouais, il n'y en a pas Alors, eu beaucoup. Exactement. j'ai raté des messages, Playfox, pour le Stratus sur le plateau en hiver, moi je l'ai pas à Sion. Ah oui, lui il est à Sion, donc il est un peu plus. Alors, il a de la chance parce qu'il est, Il a vu de qu'il est la dans les chance. vallées du Rhône, Du Rhône. il a de la chance. Le Stratus ne tape pas là-bas. Si on regarde sur une map, sur la map, enfin Google, peu importe, ou ce que vous voulez, vous regardez juste, et dès la fin du lac Léman se situe à l'est, c'est extrêmement intéressant. Vous regardez sur des caméras et autres, une fois qu'il y aura du Stratus, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura du Stratus, là pour l'instant il fait très très beau, mais ça c'est intéressant. Le Stratus s'arrête net. Dès que vous arrivez au niveau de la fin du lac Léman, le Stratus s'arrête net. Et après, il fait beau. Donc nous, à la Bleicherette, on est complètement bloqué, on peut pas décoller. Par contre, tous ceux qui sont à Bay ou à Sion, alors c'est open bar, ils peuvent aller se faire des vols en Alpes, il n'y a pas de problème. Open Ça bar, rajoute un Denis petit dit. peu de, ça rajoute un petit peu de d'ennui pour nous, mais ça va. Voilà, quel chanceux ce Playfox, hein. Toi, tu as de la chance, tu te plains tout le temps. Et un gros bisou, évidemment, à Iris, évidemment. Oui, tu as une question indiscrète de ma part, Guillaume. Tu es Dis-moi. marié, tu fréquentes, je sais pas. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, j'ai une copine que j'aime Ah, beaucoup. bah, Et voilà. est-ce que... Bah, tu lui feras une grosse bise de la part du vieux. Tu l'emmènes en vol des fois. Moi, je suis indiscret. Hein. C'est les vieux, c'est indiscret. Hein. Tu l'emmènes voler de Alors, temps en temps ou est-ce qu'elle a peur de voler? c'est une histoire assez incroyable. C'est la première passagère de Matt Duffy. Donc, c'est la première à Oui. être montée dans l'avion une fois que j'ai eu ma licence. Et Ah. puis, il s'est avéré qu'elle a des problèmes de pression. Ah Et du merde. coup, quand nous sommes montés en altitude, elle est devenue blanche comme mon pull. Et puis, j'ai dû descendre. J'ai dû descendre assez bas pour qu'elle se sente mieux. Et arrivé sur Lausanne, on a eu un petit accrochage avec un autre pilote qui s'est en fait annoncé à un endroit alors qu'il n'y était pas. Et moi, par raison de sécurité, j'ai décidé de tourner en rond, qu'on appelle ça du circling ou bien du hold. Et puis, en tournant en rond, donc j'ai dû faire deux tours, et bah, ça a démarré la machine et là, elle a vomi. Du coup, depuis, D'accord. elle ne vole pas avec moi. Mais on va faire des tests. Elle veut Ah. essayer de prendre tout ce qui est homéopathie ou médicaments pour voir Ah, si ça ok. va. C'est Et beau puis, je vais l'amour, essayer de hein. rester le plus stable possible et Voilà, le plus bas voilà. possible. Voilà, c'est Et beau voilà. l'amour, Mais hein, non, quand depuis que même. j'ai ma licence, elle a volé qu'une fois. Voilà, c'est beau l'amour quand même. Ouais, Voilà. c'est une belle histoire d'amour quand même, hein, parce que apparemment, comment s'appelle-t-elle, si je peux me permettre de demander son prénom de ta chérie? S'appelle Aurélie. Aurélie, ça c'est très joli. Bon, Aurélie, apparemment, les vols, c'est pas fait pour elle. Mais par amour pour Guillaume, et ben voilà, elle va faire de l'homéopathie. Elle va Et essayer. voilà. Et puis Guillaume, il l'a dit, hein, il va rester les ailes à plat. Pas de virage, pas plus de 5 degrés, autrement, ça va pas aller. Et voilà, c'est beau l'amour quand même. L'amour en aviation, et oui, ça existe. On continue, si vous avez des questions à poser. Alors, attendez, je relis le chat. Salut Patoche, salut Patoche. Alors Patoche, c'est un super pote que je connais aussi. On n'est pas très loin, Guillaume. On est juste à 10h50 minutes d'avion, puisque lui, il habite l'île de la Réunion. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer l'année dernière, puisque l'année dernière, la team MLN 208 a offert des places
pour aller au Bourget. On en reparlera, Guillaume, parce que en 2025, il y aura le Bourget. C'est que c'est le salon international qui a lieu une fois tous les deux ans. Et le prochain est en 2025. Oui, si ça t'intéresse, eh bien, on en reparlera. Et avec grand plaisir, pour avoir une place pour aller au Bourget. T'as raté le début. Eh ben, t'as raté le début, mais tu vas pas rater la fin. Il y a plein de choses intéressantes qui viennent. On va parler de PC12 dans quelques instants. Alors, une question de Bibou. Alors, Playfog, je peux pas imaginer une copine qui vient pas voler avec moi. Oui, mais la tienne a vomi pas aussi. Ouais, ça va, hein, Playfog, ça. Ouais. C'est un problème. Ouais, après, des fois, on peut dire que c'est pas plus mal. Hein. Elle nous embête pas comme ça. Voilà, parce que c'est vrai que les femmes, des fois, ça. bref. Bibouni a une question pour toi, Guillaume. Ouais. Est-ce que c'est compliqué la licence? Donc, je suppose qu'il nous parle de la première licence. Oui, alors, Bibouni, est-ce que tu parles de la licence PPL ou l'ATPL, CPL, IR et j'en passais des meilleurs, ME, MCC, qui est en train de faire Guillaume en ce moment? Est-ce que tu parles du PPL ou est-ce que tu parles ATPL, CPL et j'en passe des meilleurs, toutes les abréviations si tu veux qu'on te les décrive. Tu dis E, tu sais pas. Ben écoute, on va demander à Guillaume, il va répondre pour les deux. Est-ce que le PPL pour toi ça t'a semblé compliqué, aussi bien la théorie que la pratique en 10 secondes, hein, Guillaume? Ça dépend de tout le monde en soi, hein, parce que c'est soit t'as de la facilité à apprendre, soit toi tu n'aimes pas apprendre et du coup ça prend extrêmement longtemps. Mais je vais dire la PPL, c'est à peu près les bases de l'aéronautique, mais vraiment les bases de base. Donc ça va. Et puis par contre la licence professionnelle, là t'apprends tout au maximum et là ça prend vraiment beaucoup de temps et ça chauffe le cerveau. Donc je dirais que c'est assez, c'est complexe. Il faut aimer l'aviation parce que sinon tu lâches facilement et une fois que tu as compris, c'est bon. Voilà. J'espère que c'était assez compréhensible. Et n'hésite pas, Bibouni 23, à poser des questions. Une question moi qui me vient comme ça, qui passe dans mon cerveau. Ton école en Suisse, les cours in French or in English? In English. Alors, en fait, c'est des cours à distance pour la théorie. Donc, les cours à distance, la théorie, tout est en anglais. C'est les livres CAE, Oxford, donc qui viennent de Grande-Bretagne. Ouais. Tout est en anglais. Donc là, on se débrouille, on est à la maison, on fait les cours chez nous, on lit les livres en anglais. Par contre, tout ce qui est théorie, donc cours en présentiel, c'est en français. Voilà. Ils ont essayé de faire l'anglais, ils se sont dit, bon, ça sert à rien. D'accord. On fait en français. Bibouni, une chose importante, parce que vu les questions que tu poses, j'ai envie de dire que tu es intéressé par le monde aéronautique et peut-être que tu sais pas encore, t'y vas, j'y vais pas, je passe la porte, je passe pas la porte, je sais pas. Il y a une chose est sûre, l'anglais est fondamental dans le monde aéronautique. Alors, on va poser la question à Guillaume en Suisse, les communications radio, dans quelle langue ils les font. Moi, je rappelle juste qu'il y a seulement deux langues officielles de travail, comme on les appelle en aéronautique, c'est le français, mais il faut être en France, il faut être à l'île de la Réunion, il faut être en Guadeloupe, Martinique, etc. Et puis, autrement, tout le reste, c'est en anglais. En France, tu peux, et d'ailleurs dans les vidéos de Guillaume, vous n'avez pas le son, mais il y a des vidéos, malgré l'immatriculation étrangère, donc en Suisse ça commence par hôtel Bravo, je l'ai entendu parler en français, il a le droit, il parle couramment le français, donc c'est pas un problème, puisque ça fait partie d'une langue de travail. Mais c'est vrai qu'autrement, il faudra parler l'anglais. Donc l'anglais, Bibouni, c'est hyper important de l'apprendre à l'école et même après l'école. L'anglais, justement, en Suisse, on parle quelle langue quand on vole, Guillaume? Est-ce qu'on parle français? Est-ce qu'on parle anglais? Parce que j'ai entendu de toutes les versions pour la Suisse. Ah, bah c'est intéressant. Juste pour revenir à une chose, pour la professionnelle, les livres sont en anglais, donc c'est assez important. Mais si tu veux faire la pratique privée, les livres sont en français. Si j'aime. Je pense que c'est la même chose en France. Okay. Donc tu peux faire en français. Après, en Suisse, tu as les langues nationales, on en a quatre en tout, le français, l'italien, l'allemand, enfin le suisse-allemand et le romanche. Le romanche, bon, c'est un petit peu, c'est très peu de pourcentage en Suisse. Celui-ci ne compte pas du tout dans l'aéronautique.
Mais on peut parler, donc tout ce qui est la Suisse romande, on peut parler en français et en anglais. Dans tout ce qui est la Suisse alémanique, on peut parler en anglais ou en allemand. Et puis tout ce qui est en région italo-suisse, on peut parler en anglais et en italien à la radio. Après, il faut être qualifié personnellement pour pouvoir le faire. Donc moi, j'ai dû passer, je sais quand, alors apparemment, j'ai entendu des versions comme quoi en France, vous passez juste un examen pour parler anglais. Et puis après, il y a le français, il y est de toute manière, donc il n'y a pas besoin de passer d'examen. Mais en tout cas, en Suisse, on doit passer un examen pour les deux. Donc, c'est-à-dire, on Ah doit ouais, aller d'accord. dans une pièce, parler avec un contrôleur aérien et faire un vol non réel en parlant en français. Puis après, j'ai dû me représenter pour un autre examen en parlant en anglais pour D'accord. avoir sur la licence les deux Ah ouais, autorisations ok. français et anglais. Ok, donc c'est un petit peu Voilà. différent parce qu'en France, bah, tu passes pas un examen parce que tu es de langue maternelle française, même si malheureusement beaucoup l'écorchent la langue de Molière, mais que veux-tu, c'est comme ça. Par contre, l'examen qu'on passe pour l'anglais, alors c'est marrant qu'en Suisse, vous n'ayez pas ça, c'est ce qu'on appelle le FCL 055. Donc c'est-à-dire que tu es pilote français, tu décides d'aller en Italie par exemple. Alors pourquoi je dis Italie, hein? Parce que lui il est en Suisse et moi je suis en Italie. Et on parle tous en français, c'est un truc terrible. Bah, le pilote français, pour venir en Italie, il doit justifier, en cas de contrôle à l'arrivée, qu'il ait son FCL 055, donc qui certifie qu'il ait un niveau d'anglais correct pour communiquer avec ce qu'on appelle les ATC, donc les contrôleurs aériens. Voilà. Donc ça, plein de copains de la team ont fait le FCL 055. C'est une formalité, hein, c'est un petit examen, C'est juste. etc. On Mais l'a aussi en Suisse, vous hein, l'avez aussi, ouais. c'est une, ouais, c'est une norme EASA ou Oui, bah ACI. oui. C'est juste que, en fait, Son oui, niveau. je disais bien, là, ce que tu me dis, c'est comme on l'appelle en Suisse le LPC, c'est Language Professionally Check, FCL Ah, ok. 055. Ouais. Et en fait, oui, là, on parle avec des experts en anglais, puis ils nous donnent le level soit 4, 5 ou 6. Je pense que c'est la Oui, même chose voilà, exactement en oui. Il y a France. une Mais là, graduation. je disais vraiment un examen pratique où j'étais dans une pièce avec des contrôleurs aériens et il fallait que je simule un vol Ouais. et puis que je parle en anglais et puis j'ai dû prendre un autre rendez-vous pour aussi le faire en français. Je trouve ça que je trouvais assez marrant. D'accord, voilà. Mais voilà, pour Donc, moi, c'est une norme en Suisse. voilà. On a la même en Suisse, nous confirme Fabien. Michael, ils sont curieux, ces Italiens. Providenci me dit, oui, j'ai lu Playfoil. Oui, tu sais même plus comment il faut écrire les mots, toi. C'est juste. ça crée Fabien, tiens. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Oui, donc voilà, Bibouni, si tu as des questions, n'hésite pas à interagir avec Guillaume qui répondra à toutes tes questions. Dans quelques instants, on a des grossis, là. On a vu, il a passé le PPL. Maintenant, il est en pleine formation à TPL, etc. Qu'est-ce que je vais te poser moi? Oui, t'es modulaire intégré, parce qu'il y a deux façons de faire la TPL, en modulaire ou en intégré. Toi, t'es en quoi? Toi, t'es en modulaire, toi, je crois. Pour Alors, tout. c'est une excellente question, je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord, bon, très Moi, bien. j'ai fait. Bah, Hein? vas-y, vas-y, non, mais Qu'as-tu dit? je te laisse répondre, je te laisse répondre. Justement, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, j'ai fait la. Enfin, en tout cas, je pense que ça doit être une possibilité en France. En Suisse, je ne D'accord. sais pas ce que ça pourrait être. Je Ah. ne sais pas si Playfox le sait, mais en tout cas. Playfox, il rigole pour le moment, il rigole. Donc on est bien La d'accord que là, formation. il me semble que c'est du modulaire. Oui, voilà. Donc toi, tu fais ça à tes heures perdues, on va dire. C'est bien ça, hein? Tu fais Ah oui, ça, donc c'est toi, tu voilà. disais, je le fais en école et puis pendant Voilà. 6 mois, tu fais que ça, tu es en école, Voilà. etc. Ou alors tu le fais chez toi. C'est Oui, ça que tu dis? voilà. Bah, modulaire, tu prends le Ah oui, temps de. alors. Modulaire, Ouais. tu prends le temps de faire tous tes modules, tu les passes bah, quand tu as envie de les passer, trois à la fois, deux à la fois, un seul, etc. Et intégrer, bah, c'est comme si tu étais dans une entreprise, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, etc. 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 Je sais pas si Tim est Alors, je le fais encore en avec nous. modulaire. Voilà, oui, parce que tu prends ton temps. Tim, tu es encore là? C'est Ouais, ça. Tim, hein, si tu peux écrire, à hein, moins que tu te sois endormi. L'intégrer, je crois que. Indirectement, on peut peut-être avoir un boulot à la sortie
Mais je crois que c'est vraiment plus d'actualité. Et modulaire, t'as absolument pas de boulot à la sortie. Après, il faut faire toc-toc aux portes des compagnies aériennes pour essayer de décrocher C'est un bien résumé. emploi. Voilà, ouais, un truc comme Oui, ça. Alors, il y a des messages de Playfox. Il me semble que... Ouais, non, mais lui, il est en modulaire. Et il y a que la Lufthansa qui fait en intégré. Ah, ben, comme ça, je sais pas. en Suisse, je pense que Je sais oui. pas, je sais pas, je sais pas. Je pense que c'est ça. Alors voilà, bon, vous l'avez compris, on a un pilote qui on va faire un petit résumé, hein. Le pilote, il habite à Lausanne, il voit les avions, les hélicoptères, il voit la Réga, qui est la sécurité civile pour la Suisse. Il se dit, mais pourquoi moi pas aussi, moi, savoir voler? Il a personne de sa famille qui sait voler. Voilà, il décide de passer, il met l'argent de côté pour pouvoir se payer la PPL. J'ai parlé comme toi maintenant, Guillaume, pour se payer Ah. la PPL. J'écoute moi mes invités. La PPL, voilà, il décroche ça, on va dire, en un an à peu près. Et puis il veut aller plus loin parce qu'il veut faire pilote professionnel pour gagner sa vie. Et donc là, il continue avec la TPL, le CPL, IR, ME, MCC, etc., etc. Et il a un avion, il y a un avion que tu adores. Il y a un avion que tu adores et on va en parler. Et moi, j'ai une petite surprise pour toi, bien évidemment, parce que j'aime bien faire des surprises à mes Ah. invités. Il a un avion qui est magnifique. Alors, Guillaume, je peux vous dire, il est suisse de la tête aux pieds. Parce que il est suisse, il vit en Suisse, il a fait l'école en Suisse. Bon, des fois, il s'est dit, tiens, avec l'avion, on peut passer les frontières, je les passe, mais il revient vite en Suisse. Et l'avion qu'il adore, putain, mais c'est terrible, il est suisse. Roulement de tambour, Ouais, c'est un Suisse. roulement de tambour, roulement. Putain, ils ont un seul constructeur en Suisse. C'est la grande marque Pilatus, que la plupart des pilotes connaissent, que c'est un magnifique monomoteur. Et c'est un avion suisse. Toi, tu es vraiment chauvin. Hein. T'es le Suisse ad Suis hoc. patriote. Ouais, t'es patriote, voilà. Je peux rien. On va le voir. On va parler de PC12 dans quelques instants. Parce que toi, ton rêve, Guillaume, juste avant qu'on fasse la pause de 3 minutes pour aller se pisser un coup, ou boire un coup, par exemple, ton avion, toi, c'est vraiment le PC12. T'es tombé amoureux de cet avion-là. Ah, je suis amoureux du PC12, du PC24 aussi qui est sa version à réaction, mais le Voilà. PC12, je suis un passionné. Et Beaucoup alors, de personnes le confondent avec le Beach, mais il faut pas le confondre avec le le Beach, hein, beach? s'il vous plaît. Ah ouais, bah non, c'est Oui, tu un... peux aller regarder sur Internet, tu verras, c'est très Ah ouais, intéressant. Tu d'accord. regardes Beachcraft et puis on dirait un copier-coller, Ah ouais. mais non, non, D'accord. c'est un PC12, Alors, Pilatus. l'avion préféré, Bibouni 23, le PC12. Donc, PC, c'est le Pilatus, c'est une entreprise de suisse. Le C, je pense que c'est Corporate, hein, Pilatus Corporate. Et le chiffre qu'ils ont donné, c'est le 12, 12 in English. Et puis, il y a le PC24 aussi. Il y a d'autres Pilatus, hein, j'ai plus les noms en tête, mais il y a ces fameux Pilatus qui servent, tu vas m'aider, toi, Guillaume, qui servent pour le Oui. parachutisme. Avec la petite roulette, Oui, tu as le PC6. voilà, PC6, merci. PC6 pour le Voilà, 6, 12, parachutisme. Tu as le 24. PC7 pour les formations Voilà, militaires. bon. PC21 pour la Oui, formation sûre. Bah, PC21 d'ailleurs, les aussi. Français ont acheté du PC21 Eh ben, on achète, pour la nous. formation, On achète, nous. formation Donc, militaire. Et puis voilà, PC12, PC24. voilà, PC6, je l'avais oublié, mais j'envoyais quand j'étais à Vercelli pour. Oui, pour le parachutiste, un avion impressionnant. Hein. Impressionnant, impressionnant, surtout quand il descend. Il pique un peu, vous savez, comme les buses, comme les tous ces les faucons, vous savez, quand ils ont repéré une proie. Hop là, il pique, mais alors c'est impressionnant. Il met du temps à monter, mais alors quand il redescend, ça va très très vite, un PC6 à redescendre. Ça descend très vite et c'est très rapide. Hyper rapide. C'est quasiment un. Et ça prend pas de vitesse. Ouais, il est classé dans les stalls, hein, je crois, cet avion-là. C'est-à-dire, il peut poser sur des pistes très très courtes, hein, et atterrir et décoller sur des pistes très très courtes, je crois. Hein, il est catégorisé dans les stalls, si je dis pas de bêtises. On va se retrouver avec Guillaume. On va parler de PC12. On a une surprise pour Guillaume. Et puis les vidéos derrière, regardez le magnifique Bretling. Il est magnifique cet avion, hein. J'aime beaucoup. Il est en Il train est de beau, faire hein? la visite prévol. Il tourne autour de son avion. Commente un peu les images là que tu vois.
en retour, etc. Donc là, on est à Lausanne, hein, avec le Breitling, tu es à Lausanne avec ton Là, on est Piper. à Lausanne avec le Breitling, à savoir que c'est une Breitling d'ailleurs ne font plus de sponsoring, donc Ah ouais. ils ne veulent plus faire de sponsoring pour raisons économiques. Mais par contre, ils fournissent des peintures ou autres. Donc la peinture a été offerte au club pour Ah ouais. pouvoir le floquer Breitling avec les magnifiques flammes qui vont avec. Ouais. Mais l'avion appartient bien au club. OK. Et puis c'est un avion qui est super sympathique. C'est un PA 28 236, donc 236 chevaux, et c'est un Dakota, marque américaine. Il est vraiment bien et qui, alors, il peut voler en IFR et autres, mais ils l'ont pas certifié pour raisons financières, chose que je peux Ah. comprendre. Ils volent principalement sur le Saratoga, qui est l'avion, le PA 32 ou 34, je me souviens plus, PA 32 ou 34, qui est beaucoup plus gros. Enfin, c'est à peu près la même. C'est le même, un peu la même forme, mais il est beaucoup plus long. Et lui, ils l'ont mis en IFR, mais celui-ci, il ne l'est pas, mais il est équipé pour de l'IFR. On a autopilote et autres. Il est très très stable, très rapide par rapport à celui que j'ai volé pour ma formation PPL, hein, qui était extrêmement lent. Et Mais là, la vidéo, ouais. Guillaume, qu'on voit là, donc on est en Suisse, tout enneigé, etc. T'es dans quelle Ouais. région de Suisse? Parce que c'est magnifique, hein, les images, tout blanc, etc. Et à quelle altitude tu te trouves à peu près, là, je sais pas, 6500 pieds, Alors 7000, là, 8500 pieds. les débuts, donc on décollait de Lausanne et après je suis parti sur la droite dans l'est de la Suisse, au-dessus de Bulle et de Gruyère, et ensuite on a fait les Préalpes Ah, ok. en Suisse, qui est le début des Alpes, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si quelqu'un ne connaît pas, donc le tout début des Alpes, et puis on a été volé vers le barrage de Longerin, qui est un barrage assez connu en Suisse. On le voit au bout d'un moment sur la vidéo, je tourne autour. C'est aussi un endroit militaire, donc des fois tu as des zones militaires où on ne peut pas aller quand ils l'activent parce qu'ils tirent dans la montagne avec leurs chars. Mais on a été volé dans ce coin-là qui est dans l'est de la Suisse, juste c'est entre le Valais et Vaud. Ah Voilà, bah voilà, c'est à c'est dans côté de cet ça. endroit-là. Mais là les alors une météo splendide là, le jour où tu as été volé. Je sais plus de Oui, combien de c'est temps vraiment très beau. elle date cette vidéo. Mais là les images sont vraiment magnifiques. Alors, nouveauté aussi, c'est que maintenant justement Playfox m'avait averti que tu t'es équipé. Que maintenant tu fais aussi des lives. Donc je vous rappelle hein, que Guillaume, donc c'est Matt Doofy, mais le bot vous envoie le lien de temps en temps. On lui posera la question d'ailleurs d'où vient Matt Doofy, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il a trouvé Là, tu ça. vas rigoler. On verra ça après la pause. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, maintenant tu nous fais des lives sur ta chaîne Twitch lorsque tu es en vol. Tu t'es équipé C'est aussi, ça. voilà. Je me suis équipé, je me suis amusé, j'ai fait des tests, j'ai vu que ça Ouais, fonctionnait, ouais, donc ouais. bientôt je vais pouvoir faire des lives en vol. Voilà. Encore faut-il avoir du réseau. J'ai réussi à Oui. capter jusqu'au niveau 125, donc normalement c'est bon. OK. Mais après, il faut voir pour aller sur Twitch, parce que ça demande un certain Ouais, débit. c'est sûr. Il faut regarder. Mais c'est faisable, en tout cas. C'est faisable. C'est faisable. Et alors, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, donc Guillaume que j'ai rencontré il y a à peu près, je sais pas, j'ai envie de dire un petit mois, je perds un peu la mémoire moi. Et pourquoi j'ai invité Guillaume? Parce que quand j'ai été voir ses lives, un, il y a une bonne humeur, c'est un gars extraordinaire, il sait déconner, il est très respectueux. Mais par contre, au niveau pilotage, ce qu'il fait sur un monde virtuel. C'est de toute beauté. On voulait faire un essai ce soir de vous faire voir le démarrage d'un PC12 et puis un tour de piste, etc. Mais bon, l'un comme l'autre, on n'est pas très très doué en technique, donc on ne savait pas comment rediffuser. Mais je crois que tu es en live vendredi, donc demain soir, Guillaume. Demain soir, 19 h, ouais. Voilà, demain à Les oui, lundis, mercredis et voilà, vendredis. parce que les Suisses, ils se couchent tôt ou ils mangent tôt, je sais pas quoi. À 19h, moi, je vous invite vraiment, je vous invite vraiment, un, à follower sa chaîne dès maintenant, comme ça, quand il sera en live, vous aurez la notification. Et Guillaume, je t'invite demain à faire un vol en PC12. Moi, je passerai te voir. C'est d'une précision, c'est de toute beauté ce qu'il fait. Avec ce côté humoristique qu'il a, il sait déconner, mais bon, il a 25 ans. Hein. Si à 25 ans, il déconne pas,
hein. Ce serait un peu emmerdant. Mais par contre, au niveau pilotage, je peux vous dire que c'est un gars, il connaît son appareil, il connaît ses instruments, il sait ce qu'il fait. Hier, je l'emmerdais avec le déchiffrage des métards, etc. Croyez-moi. Il sait ce qu'il fait, c'est pas n'importe qui. Autrement, je l'aurais jamais invité. Jamais invité en live, déjà, premièrement. Et jamais invité aussi à me voir en Italie, parce que le feeling, il est passé de suite. N'est-ce pas, Guillaume, hein? Oui, c'est vrai, c'est voilà, vrai. C'est le feeling est passé tout de suite. On peut voir le lien. Bah, regarde, tu vois, regarde, État Tongo, tu demandes le lien de sa chaîne, paf! Le bot, il t'écoute. Voilà, Twitch, Matt Doupi. Allez, il est bientôt 22h. Ouais, on fait la pause, Guillaume. On a 3 minutes de pause. C'est parti, on se retrouve. Ça marche. Il sera 22h. On se retrouve tout de suite dans 3 minutes. On parle de PC12, on parle de pilotage et surprise pour Guillaume. Et voilà, on se retrouve en direct avec mon invité de ce soir. Et quel invité, Guillaume. Il a un seul défaut, il est suisse, mais il a une grande qualité, c'est qu'il pilote. Ah, faut bien taquiner, etc. C'est l'émission Focus. Hein, t'as vu ça? Focus, c'est quoi, Guillaume? C'est l'émission qui donne la parole à des acteurs du monde de l'aéronautique, quel qu'il soit, l'agent de piste, l'agent discal, le mécanicien, le pilote, le copilote. Dans le temps, il y avait des mécaniciens à bord, comme sur le Concorde, par exemple. Des hôtesses de l'air aussi, j'ai fait... Enfin, pas hôtesses de l'air, j'ai fait des stewards, mais bon. Les PNC, voilà, les personnels navigants commerciaux, les PNT, ça c'est comme notre ami Guillaume et puis Tim, qui était là avec nous tout à l'heure. Bref, tout ce qui tourne autour de l'aéronautique, c'est... moi, je donne la parole, voilà, c'est le but de la chaîne Tim MLN 208. Je vous donne des rendez-vous aussi, on a une autre émission qui a lieu un jeudi sur
2. La prochaine, c'est jeudi prochain. Donc, pas aujourd'hui, évidemment. Jeudi prochain. Actu Héros, c'est une émission qui parle d'actualité aéronautique présentée par mon copain Nicolas. Et puis aussi, on parle d'actualité des simulateurs avec mon pote Edouard. Et puis moi, je vous donne quelques meetings qui vont se passer à droite et à gauche en France et en Europe. Ou pourquoi pas dans le monde pour les grands meetings internationaux. Et puis, un rendez-vous que je vous donne tous les samedis matin, c'est la matinale Orly. La prochaine, c'est dans 2 jours, du contrôle virtuel sur le réseau IVAO. On en reparlera d'ailleurs, Guillaume, avec toi du réseau virtuel ouais. IVAO. Entre 8h et midi, moi, je contrôle Orly. Donc voilà, s'il y en a qui font du vol virtuel sur FS 2020, X-Plane 11, X-Plane 12, P3D, ils ont passé des meilleurs. Et sur le réseau IVAO, bah, je vous attends de bon matin et de bonne humeur le samedi entre 8h et midi. Voilà, vous savez tout. J'ai une surprise pour toi. Ah, montre-la moi. Bah voilà, oui, on va montrer la surprise. Alors, ton avion préféré, tu as choisi le PC-12. Alors, avant de te faire la surprise, pourquoi tu as choisi le PC-12? Il y a tellement d'aéronefs qui existent. Tu en as choisi un très particulier en plus. Hein. Est-ce que tu l'as choisi parce qu'il est suisse comme toi? Ou est-ce que tu l'as choisi parce que tu es tombé amoureux de ce PC-12? Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la Rega en a des PC-12, non? Non, ils n'ont pas de PC-12. Ah, merde, ils n'ont pas de PC-12. Aucun PC-12. Ah, ils n'ont pas de PC-12. Non, ils n'ont pas de PC-12. Ils ont des bombardiers pour le transport de passiers. Ok. Mais c'est une bonne question. Oui, il y a une part parce que c'est suisse et que c'est une manufacture qui est, selon moi, vraiment belle et ils font tout à la main avec des machines aussi pour tout ce qui est du façonnage. De l'acier parce qu'ils vont pas le faire à la main, mais tout le reste est fait à la main, que ce soit toutes les connectiques ou autre, donc je trouvais ça déjà pas mal. Et je suis tombé, on peut dire, amoureux de ses performances, parce que c'est un avion qui est de taille assez convenable, on peut mettre jusqu'à 11 personnes à l'intérieur, donc ce n'est pas petit non plus, et il peut faire des décollages sur des distances extrêmement courtes, sur 500 mètres, on parle du rolling, hein. 500 mètres ou voire 400 mètres, l'atterrissage tout aussi rapide et court en termes de distance, et il peut surtout atterrir sur énormément de terrain, que ce soit de l'herbe, du sable, du sel, si on va atterrir sur des sables, sur des lacs de sel, sur la neige, il peut atterrir absolument partout, et c'est un avion qui est incroyable. Et en plus, vu que alors de base, je voulais faire comme tu le sais, pilote professionnel, mais pas de airliner parce que ça m'intéressait pas vraiment de faire de la ligne comme ça. Donc le PC-12 est vraiment l'avion qui m'attire le plus parce que je peux aller des endroits où d'autres ne peuvent pas aller forcément et tout ça en professionnel, comme je pense par Courchevel par exemple, qui est un aéroport assez complexe. Tous les avions ne peuvent pas y aller et il y a d'autres endroits où le Pilatus est exceptionnel. Là-bas, et puis j'ai eu l'occasion de pouvoir m'asseoir dans un Pilatus, et tout est fait pour que ce soit ergonomiquement incroyable et super sympathique. Donc, je suis tombé amoureux de sa forme, de son esthétique. Oui, non, il a une belle forme. Moi, je suis entièrement d'accord. À l'intérieur, donc, en tout cas, moi, Guillaume, je suis entièrement d'accord avec toi parce que j'ai eu la chance aussi. Quand j'habitais en Haute-Savoie, je ne sais pas si Tim est encore là. Tim, si tu es là, fais-nous signe, mais peut-être que tu es en déplacement au Qatar et apparemment, il est 22h chez nous au Qatar, il doit être plutôt minuit ou 1h du matin. À Annemasse, il y avait un PC-12, je t'en ai parlé dans un live, le Lima X-Ray November Echo Whisky, couleur champagne en plus. Bon, pas très beau, couleur champagne. Enfin, tu bon, me l'avais envoyé. Ouais, super sympa, etc. Et bon, j'étais en admiration parce que c'est vrai que c'est un bel avion, puis avec son radar là, qu'il a, etc. Il a une belle gueule, une belle carrosserie, ce truc-là. Et puis, il y a quelques années de ça en arrière, quand j'ai créé la team d'ailleurs, en parlant de la team, moi, je te le dis après. Donc, j'invite quelques copains à aller au Bourget. Mais c'était pas pour le salon du Bourget, c'était pour les 100 ans ou les 110 ans, je ne sais plus, de la Fédération française de l'aéronautique, etc. Et. Ouais.
En statique, on se promène et qu'est-ce que je vois? Le PC12, un PC12, pardon. Je regarde Lima, X-Ray, November, Echo. Whisky. Putain, mais c'est pas possible, mais je le voyais tous les jours à Annemasse. Et là, je suis à Paris, je dors tout à Paris. Donc, moi qui ai pas ma langue dans ma poche et qui suis pas trop timide, mais bon, vu mon âge, hein, on peut pas être timide à 60 balais. Donc, je vais voir une hôtesse, parce que si ils sont barricadés et que les barrières, etc. J'appelle une hôtesse, je dis bonjour, nanana, moi je suis d'Annemasse, etc. Oui, j'habitais encore à Annemasse à cette époque-là. Est-ce qu'il y aurait possibilité de rencontrer les pilotes s'ils sont là et puis de visiter avec. J'étais avec trois copains. Elle me dit, attendez, je me renseigne, etc. Donc elle se renseigne et le pilote arrive, il me dit, vous êtes combien? Ben, on était quatre. On me dit, oh, ben, c'est bon, vous pouvez venir, etc. Donc. T'imagines le Bourget, hein, rempli de monde le Bourget. Donc les quatre couillons qui ont pu passer les barrières, aller dans le PC12, bah c'est des copains de la team. Moi j'étais hyper fier. Et c'est vrai qu'à l'intérieur est magnifique. Là c'était un avion toi C'est beau, hein? privé, etc. Siège en cuir, machin. Enfin le truc. Enfin allez on va dire un mot, mais on est entre garçons. Tu bandes quand tu vois un truc comme ça. C'est un truc de ouf quoi. Et c'était super. C'est vrai que c'est un bel avion. Et après on a eu la chance de le voir Magnifique. décoller. On a eu la chance de le voir décoller parce qu'il repartait pour l'Angleterre et puis enfin avec des VIP à bord, etc. Donc c'est vrai que c'est un très très bel avion. Surprise alors, on y va, surprise. Regarde, ça dure 6 Allez, on minutes. regarde la Ça surprise. dure 6 minutes, mais on peut discuter ensemble. Il y a une petite musique derrière. Allez, c'est pour toi, Guillaume, ça me fait plaisir de t'offrir ça. Regarde bien. Apparemment, si je me dis pas de bêtises, c'est un PC12 que tu vois. Hein. Si je dis pas de bêtises. Ah, celui-ci, c'est bel et bien, et c'est même la plus belle livrée Eh bah oui, puisse exister, selon voilà, moi. ouais. Bah t'es assez beau gosse aussi, alors je dis on va mettre un bel avion hein, quand même. Hein. Bah ouais, hein. Une livrée d'ailleurs de Hans Ernie, un dessinateur. Vraiment, vraiment, Ouais. vraiment une très très belle. Et Regardez. l'intérieur est Ouais. extrêmement beau de cet avion. Regardez la livrée, les gars, elle est vraiment magnifique. Ce bleu métallique, etc. Puis ces chevaux qui sont dessinés là en blanc. Elle est de toute beauté. Bon, vous allez me dire, quand tu pilotes, tu les vois pas, les chevaux. Mais bon. Voilà. La mise en route. On va le voir rouler, Ouais. l'avion. Et le petit radar hein, qu'on voit C'est une sur belle machine, hein. le côté droit de l'aile, la boule noire, là, c'est le radar météo. Oui, radar météo, c'est ça, ouais. Voilà. Regardez Radar météo. l'avion. Voilà, les flaps sont sortis. La dérive à droite parce que le monsieur va à droite. Regardez, c'est. Non, mais c'est vrai que c'est une belle machine quand même, le PC12. Hein, y a pas. Mais la livrée est C'est une magnifique. Hein. très très belle machine. La livrée est La livrée est magnifique. magnifique, Voilà. vraiment magnifique. C'est un des PC12 qui est équipé d'une lumière Ah de ouais. logo light, d'un Regardez le logo. Ils décollage, le le mettent pas décollage. tous. Voilà. Allez, vraiment beau. Regardez comme ça s'envole légèrement. Regardez comme c'est beau, regardez là, mais c'est magnifique. Devenez tous pilotes. Regardez comme c'est beau. Allez, on voit une autre livrée maintenant. On enchaîne les vidéos. Elle est sympa. Alors, elle est moins sympa que la première qu'on vient de voir, hein. Mais elle est sympa quand même aussi. On est à Cannes-Mandelieu, je crois, là. D'accord. Je crois, hein, Can. quand j'ai monté ça tout à l'heure. Et demain On va soir, voir ça. allez voir Guillaume hein, qui fera du PC12. Ouais. Il va tout vous apprendre. Regardez, elle est pas mal la livrée aussi. On dirait un serpent, pas serpent, etc. Mais bon, elle est sympa quand même. Et regardez l'image. Ohio. Eau. C'est assez Et c'est sympa. Ouais. juste, c'est le haut. Ouais. C'est une livrée qui fait aussi partie de la même entreprise du premier avion que tu as montré. Ouais. Et cette livrée-là, elle est aussi appréciée d'un de mes amis qui vole beaucoup Ah, avec ok. moi et qui va faire aussi pilote professionnel. C'est sa livrée D'accord. préférée à lui. Moi, j'aime la bleue Ah ouais, du bah oui. triple S et lui, il aime celui de haut. Ah bah voilà, bah il y en a pour tout le monde comme ça. Alors,
Et puis la petite histoire de cette livrée, elle est faite surtout pour essayer de changer un peu la forme du PC-12. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont essayé exactement ah, de faire, mais... Ah d'accord, ok. Alors, ouais. Vous inquiétez pas, hein, il reste pas là bloqué, il n'avait pas l'autorisation de décoller. Voilà, il vient d'avoir l'autorisation de décoller. C'est pour ça qu'il était un peu en statique. Et voilà, il décolle, il est à Cannes, il n'y a pas de vent, comme vous avez pu voir sur la manche à air. On pourrait faire un live, enfin un petit live vite fait sur la manche à air. Vous savez pourquoi elle est blanche et rouge, la manche à air? Et à quoi ça correspond? Question dans le live. Pourquoi la manche à air, elle est blanche et rouge, et à quoi correspond la force du vent dans la manche à air? Bah, je pose pas la question c'est à Guillaume. C'est une bonne question. Parce qu'évidemment, Guillaume connaît la réponse. C'est une bonne question. On va pas lui poser à lui. Regardez le magnifique golage, rentrée du train d'atterrissage. Regardez comme c'est majestueux. Et puis, il y a une autre vidéo qui va s'enchaîner juste derrière. Voilà. Avec les beacons qui sont allumés, bien évidemment. C'est vraiment... Une belle montée. Il y a un petit peu de vent, vous avez vu, hein, les corrections que fait le pilote pendant la montée initiale. Voilà, mais léger, hein, c'est rien du tout. Hein. C'est pas des bourrasques comme hier ou je sais pas quoi là que tu disais. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. C'est voilà, très allez, intéressant d'ailleurs. Un autre avion, ouais. Alors livré très basique, complètement basique. Ouais. On est, alors je sais pas comment on prononce, on est à Buoch, B-U-O-C-H-S. Ah, c'est Buor. Ah, Buor, voilà, Buor. Buor. Voilà, on est en Suisse. Et c'est le siège même de Pilatus Aircraft. C'est là où ils fabriquent tout simplement les Pilatus. D'accord, voilà. C'est l'aéroport dédié à eux, en fait. Ok, voilà. Ils sont, en fait, tu as l'aéroport, et puis ils sont implémentés tout autour de l'aéroport. Toutes les chaînes de production sont là-bas, et tout est fait là-bas. Et puis ils font les tests des avions sur cet aéroport là-bas. Ok, d'accord. Bah voilà, je savais pas. Toi, j'apprends. On apprend tous les jours, hein. On apprend tous les jours. Et salut à toi, Julo 18. J'ai vu tes messages, mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui à cause du live de ce soir. Mais je vois ça demain. Mais je serai là dimanche. T'inquiète pas, Julo. Voilà, beau décollage. Regardez aussi de ce Pilatus PC-12. Voilà. Ah, voilà. C'est vraiment une belle machine. Mais... D'ailleurs, une petite question pour toi, Stéphane. Oh, putain. Savoir si tu sais pourquoi. D'ailleurs, bon, c'est pas le seul avion qui en dispose, mais saurais-tu pourquoi sur l'empennage vertical à l'arrière, tu as deux sortes de petits, on va dire, triangles qui sortent de la du fuselage à l'arrière. Est-ce que tu saurais pourquoi? Écoute, on va remettre la tu vidéo. Tu sais à quoi ça sert? On va remettre la vidéo. Alors, fuselage arrière, les deux triangles, etc. On la regarde encore une nouvelle fois, la vidéo, elle est quand même assez sympa. Et puis, c'est livré magnifique. Alors, bonne question de la part de mon invité. Est-ce que tu saurais? Non, là, comme ça, non. Attends, je vais réfléchir un petit peu. Hein. Laisse-moi le temps de réfléchir. Donc, on est là-haut. Enfin, non, là, on n'est pas là-haut, on est en plein milieu. J'aime beaucoup en plus la marque Pilatus, le logo, etc. avec les traits, c'est sympa. Ouais. Alors. Tout est beau dans cette compagnie. Genre. Oui, bah oui, mais tu vas y aller. Cette entreprise est incroyable. Mais, je l'adore. Mais je te le souhaite. On va en voir d'autres des Pilatus dans quelques instants. On va aller voir un site d'une compagnie helvétique. Alors, tu parles des peu... Non, bah là, c'est pas ici, parce que là, il zoome le monsieur. Des triangles à l'arrière, là, c'est ça, sur l'empennage? C'est ça que... Oui, t'as l'empennage arrière, et puis vers le bas, tu vois que tu as deux sortes de petits triangles métalliques qui sortent de l'empennage. C'est assez gros. Ouais. Je ne saurais pas te dire exactement les termes. Et selon toi, à quoi est-ce que ça servirait? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Là, tu le vois bien, là, quand ouais, il tourne, ouais, tu là, vois on les voit, deux on voit bien. Les deux qui sortent là en bas. Vu comment ça, on dirait pour une stabilité. C'est ça, oui, c'est juste. C'est pour la stabilité parce voilà. Que vu qu'il a un empennage horizontal qui est élevé, donc c'est-à-dire qu'il est plus haut que la cellule en elle-même, quand il va faire sa rotation, il va perdre en fait en stabilité en yaw,
Donc ça veut dire qu'il va en fait tourner sur lui-même, sur son axe, c'est l'axe Z. Je peux pas comment je peux pour l'expliquer, okay. L'axe Z, Stéphane. Mais donc sur son axe de yaw, donc quand il bouge de gauche à droite, quand il va en fait cabrer pour pouvoir prendre de l'altitude, ces deux petites choses que tu vois bien d'ailleurs là sur la sur l'avion blanc, le haut, tu les vois bien là pour l'instant. En fait, oui, merci PlayFox. Le lacet, ça permet en fait de rester stable exactement sur le lacet quand l'avion est en montée. Voilà. C'est de la simple. J'allais lui dire Fabien, mais il parlait. J'avais pas lui couper la parole. Voilà. Le lacet. C'est ça. Merci. Le lacet. À pas confondre avec le roulis, hein. Un PlayFox, ah bah non, on va pas. C'est juste. On va pas tout ne pas confondre avec le roulis. Voilà. J'avais le terme en anglais, le yo. Et ouais, merci bah oui. Pour le lacet. J'allais te le dire après, mais comme mais Fabien, lui, regarde. On regarde encore la vidéo, puis on va parler un peu de PC12 avec, Guillaume. Voilà. De belles vidéos. Merci, Julo. Julo, je te tiens au courant pour dimanche. Ouais, non, mais t'inquiète pas. On va la faire et je serai là, je vais trouver un sujet. Et t'inquiète pas, Julo. Bisous, Julo. Bonne nuit à toi et on se retrouve dimanche. Voilà. Excusez-moi, je suis ma petite cuisine interne avec mes potes, etc. Vous inquiétez pas. Voilà, on regarde le décollage. Regardez le décollage. Alors, important dans le décollage, hein, c'est maintenir la center line, évidemment. Voilà, mais apparemment il n'y a pas de vent aujourd'hui. Non, ça bouge pas trop la dérive. Donc tout va bien, voilà. Ça décolle assez court, hein. Quelle est la distance pour un décollage d'un PC12? Tu en parlais tout à l'heure, Guillaume, mais c'est assez court, hein. C'est très très court sur poids maximal. Et puis après les 50 pieds, parce que dans l'aéronautique, tu as le ground roll, donc la distance de roulage, puis après tu décolles et ensuite tu dois passer les obstacles de 50 pieds. Mmh. Et cette distance-là, elle est de 730 mètres, si je me trompe pas. Elle est très 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 courte. Elle est très courte, ouais. Voilà. Très courte. Après, je peux te donner les distances après, exactes. Tu as le range du PC12, parce qu'il va assez loin quand même. Hein. On peut faire des belles distances avec le PC12. Hein. Le range, donc la distance maximale, la distance sur laquelle le PC12 a été certifié. Range en anglais, il est de combien le range? Il est 1800 nautiques. 1800 nautiques. Donc 1800 nautiques, ouais. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les nautiques, en gros, tu multiplies par 2, donc tu peux faire, si tu pars de Lausanne, 3600 km. Donc tu prends un compas, 3600 km autour de Lausanne, tu peux aller poser. Voilà. Alors c'est par rapport à 4 PAX, donc tu es à 3400 km. Et après bah plus tu mets de PAX, plus ça réduit. Hein. Ah bah oui, évidemment. Ça devient logique. Ça devient logique. Oui. Parce que et puis donc bien évidemment ce que tu disais, oui, donc le take off distance des 50 pieds, donc des 15 mètres, c'est 758 mètres, pour être précis, donc je disais 740, j'étais pas très loin. Ouais. 730. Et puis voilà. Voilà. C'était juste pour confirmer. Okay. Merci à toi Guillaume. La vidéo, il reste plus que 25 secondes et on va en parler un petit peu de ce Pilatus PC12 avec Guillaume. Voilà, pour finir tranquillement cela, parce que mine de rien, toi, ça tourne, hein, 22h19 hein, déjà. Ça parle. Ah ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais t'as vu, c'est. Est-ce que t'es content au moins, Guillaume? Est-ce que t'es content? Non, voilà. Très content. Demain, ça me fait plaisir de partager. Voilà, moi ça me fait très plaisir. Et demain, tu devrais avoir des viewers en plus. Hein. N'hésitez pas, voilà, allez. Ah, la vidéo, elle se coupe tac, comme ça. N'hésitez pas à follower la chaîne. Le bot vous envoie son lien. Donc, c'est Twitch Bordel TV. Il n'y a pas Bordel, hein, c'est Twitch TV. Et Matt Duffy. Alors, Matt avec un M majuscule. A2T en minuscule, Doofy avec un D majuscule, 2O, un F et un Y. On va pas faire l'alphabet aéronautique parce qu'il y a trop de lettres. Tu m'as dit, on peut le faire, hein. Mike, Alpha, Tango, Tango, Delta, Oscar, Foxtrot et Yankee. Tu m'as dit, je vais bien rigoler quand tu vas m'expliquer
pourquoi ton pseudo c'est Matdoufi? Parce que ton prénom c'est Guillaume et ton C'est juste. pseudo c'est Matdoufi. Alors, ça vient d'où? C'est J'essaie. juste. Ça vient d'où? Et tu m'as dit que j'allais rigoler. Alors vas-y, fais-moi rigoler parce que je suis assis sur mon canapé. On va remettre nos deux tronches en cam. Voilà, coucou, on est là. Alors, Matdoufi, ça vient d'où? Parce qu'en plus, ta Alors copine, écoute, c'est Aurélie. Alors, il n'y a pas d'Aurélie dans Matdoufi, hein. et non, et non. En fait, ça vient. Je jouais pas mal quand j'étais jeune avec des. Bon, je suis toujours jeune, hein, mais quand j'étais début de l'adolescence avec des avec des amis Quand il était et on puceau, jouait il voulait beaucoup dire, oui, quand il était puceau. sur Arma. Oui, voilà, on peut le Voilà. dire sur Arma. Sur Arma, et en fait, tu avais des possibilités de jeu où tu pouvais jouer comme si tu jouais dans la vraie vie. Et il fallait choisir des noms. Il fallait un prénom et un nom de famille. Je me suis dit, comment est-ce que je pourrais m'appeler? Et là, souvent, les personnes me donnent comme surnom Matt. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais m'appeler Matt. Et en plus, c'est un nom que j'aime bien. S'il y a des personnes qui s'appellent Matt, d'ailleurs, dans le chat, bah, reste pas à vous, j'aime beaucoup ce prénom. J'aime bien Matt. Donc, je me suis dit, ok, on va prendre Matt. Et après, je me suis dit, il faut que je trouve un nom de famille qui irait avec Matt pour que ce soit drôle, pour pouvoir faire mon jeu. Et là, il venait de sortir le film Scary Movie. Je ne sais pas si tu l'as regardé. Non, moi Scary Movie. je connais, mais Tu. j'ai pas regardé. Alors, c'est une sorte de comédie d'horreur, mais qui ne fait pas peur. Hein, mais horreur comédie. Et en fait, dans ce film-là, il y a un policier qui est extrêmement bête et stupide, qui s'appelle Doofy. Et puis, je me suis dit, je vais l'utiliser en tant que nom de famille, Matt D'accord. Doofy, Ouais. parce que vu que je suis un petit peu fou et j'aime bien faire Oui. des vannes, et puis des Oui. fois je dis un peu des bêtises, je me suis dit, Non, ce non. nom me va parfaitement bien. Ouais, c'est Du vrai. coup, c'est pour ça que je l'ai choisi, Mais je suis entièrement d'accord que avec je me suis toi. amusé à faire Mais tu sais, je vais te dire ça. un truc, puis après, je te poserai la question de Delta Tongo 22, mon pote Denis de la Bretagne. Ouais. Je trouve que le pseudo que tu t'es choisi, il est agréable. C'est-à-dire qu'il y a des pseudos. Moi, depuis Ah bon? que je fais des lives, etc., des fois, il y a des gens qui rentrent, tu es incapable de lire le pseudo. Parce qu'il y a tellement de Ah. consonnes, etc., que tu ne sais pas Ah, te c'est prononcer, etc. Matdoufi, ça se prononce bien. C'est doux à l'oreille. Ça ne blesse pas l'oreille. C'est bien. Il y a un Ah. côté. Il y a un côté. Non, mais il y a un côté un peu, je dirais, Walt Disney. Matdoufi, toi, je pense à. Ouais. Et ça passe bien. Et puis en plus, je trouve que ça va bien avec toi. Donc, compliments, ce que tu as bien choisi. Tu as un côté foufou, c'est Ah, vrai. merci. Tu as un côté foufou, c'est vrai. Mais encore une fois, hein, me permets de te le dire, parce que je pourrais être ton père. Tu as 25 ans. Donc, si à 25 ans, on n'est pas un peu fou, tu vas pas attendre d'avoir 60 balais pour devenir taré. Bon, bien que j'y suis encore un peu, mais bon, voilà. Profites-en maintenant. Et ce que j'apprécie en toi. Que ça, je tenais vraiment à te le dire, c'est que quand je t'ai découvert, c'est que tu as ce côté foufou, mais tu as ce côté très professionnel au niveau de l'aéronautique. Et ça, évidemment, ça m'a super plu. Et ce que j'en vois des streamers, hein, des streamers, j'en bouffe, j'en bouffe, j'en bouffe. Mais tu as ce côté professionnel. Je veux dire, quand tu fais le démarrage du PC12, tu expliques tout, c'est précis. Et je sais que ce que tu fais, c'est la réalité. En plus, tu m'as dit que tu as eu la chance, hein, d'être dans le seul et unique, je crois, confirme-moi Guillaume, simulateur qui existe de PC12. Tu as pu y aller. C'est juste. Voilà, et raconte-moi un Ouais, peu. Attends, avant que tu nous racontes l'histoire du simulateur PC12 réel, il n'y en a qu'un dans le monde. La question de Delta Tongo, je te laisse répondre, Guillaume. Est-ce que le PC12 est un avion qui se pilote seul ou est-ce qu'il doit se piloter à deux? il est homologué pilote seul. Donc tu peux sans problème le prendre tout seul, comme si tu prenais un Robin ou un Piper. Et puis il est aussi homologué en commercial, donc avec une licence MCC pour le crew en multi. Du coup, on peut le piloter seul si on veut, et on peut le piloter à deux en commercial. Ça a pris pas mal de temps à avoir et obtenir la licence commerciale, mais on peut l'opérer à deux en commercial et seul.
Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Denis. Si tu as d'autres questions, Denis, n'hésite pas. Et puis, vous, dans le chat, n'hésitez pas. Et on accueille, bah, tu vois, lui, il a un pseudo qui est compliqué à prononcer. Il y a trop de consonnes là-dedans. On va faire en alphabet aéronautique. Sierra, Echo, Québec, Mike, Alpha, Papa, Joshua, salut à toi. Comment vas-tu? Si tu as des questions à poser à notre invité, Guillaume, pilote suisse, eh bien, n'hésite pas. Alors, qu'est-ce que je disais, moi, juste avant qu'on me pose la question de... Oui, quand tu Tu parles du démarres... simulateur. Ah oui, voilà, le simulateur. Tu as eu la chance de pouvoir faire du simulateur. Donc, un simulateur, si Ouais. bien professionnel, hein, pas un Ah oui, simulateur, approuvé. voilà, pas FS 2020, un vrai simulateur. Ah, Donc, non. raconte-nous un peu cette expérience. Explique aussi aux gens qu'est-ce que c'est qu'un simulateur réel. Pour un avion réel. Alors, tu as différents types de simulateurs. Tu peux avoir les simulateurs que tu as à la maison ou comme quand vous venez me voir sur Twitch, simulateur, c'est-à-dire qu'on prend un 320 ou on prend un PC-12 et on s'amuse à voler comme ça. Quand on parle de simulateur réel, si on utilise les termes comme ça, mais sinon on appelle ça des FNPT avec certaines abréviations après. Ce sont des simulateurs qui sont approuvés par les organes mondiaux, que ce soit OACI, EASA ou en Suisse l'OFAC ou en France la DGAC que vous avez. Ils sont approuvés pour pouvoir les utiliser et surtout quand nous, en tant que pilote, on s'asseye à l'intérieur et on peut voler dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le noter en heure de vol simulateur pour que ce soit pour que ça compte dans notre licence en termes de formation. Donc c'est pour ça qu'on parle de simulateur réel. Et en fait, ils ont, j'ai pu aller à Lausanne. C'est à Lausanne que ça se passe Oui, en plus, il est à dans côté de cette chez toi. entreprise. C'est un truc Et là, à terrible. côté de chez Non, moi, c'est mais ça qui est toi, t'es un mec j'ai en beaucoup de or. chance. Parce que t'es... Alors, comment ils appellent les habitants de Lausanne? Les Lausannois, les Lausannais, les... Les Lausannois, ouais. Alors, Lausannois. t'es Lausannois, t'as Blecherey à côté de chez toi, t'as Pilatus qui est pas loin, t'as le simulateur Pilatus qui est pas loin de chez toi. Mais en France, on dit, comme je pense que tu la connais, l'expression, en France, on a l'expression, tu as le cul bordé de nouilles. Donc, tu as le cul et les nouilles qui Oui, sont ça bordées. Ça se se dit dit aussi. Non, mais c'est un Moi, j'ai truc de la terrible. chance. Ouais, alors comment J'ai de ça la s'est chance. passé? Comment tu as Tout est à pu côté. arriver dans ce simulateur? Parce que tout le monde n'arrive pas. Et après, je te poserai la question de Denis, Delta Tango. Mais comment t'en es Oui. arrivé là? Comment tu es arrivé dans ce simulateur professionnel? Bah écoute, au fur et à mesure de la formation, tu vois de plus en plus de choses et j'ai pu rencontrer la personne qui est chargée de ces simulateurs-là. Et puis j'ai pu demander un rendez-vous pour pouvoir tester l'intérieur, sachant que c'est un avion que j'aimerais beaucoup piloter plus tard dans le professionnel. Donc ça a pu me compter pour de la formation. Donc j'ai pu aller tester ces simulateurs-là. Ils en ont deux pour l'instant. Un NG qui est un des types du PC-12 qui est différent. Il ressemble, enfin il est exactement pareil que celui que je vole sur mes live Twitch, sauf que il a dernière av avionique. Ah oui. Celui que je vole sur le PC-12, malheureusement ils n'ont pas encore mis les dernières versions, mais c'est un ancien PC-12 donc il a encore les pendules. Mais celui qui utilise, c'est un vrai avion de base qui a été découpé. Donc tout ce qui est dans le simulateur, c'est des vraies parties d'avion et toutes les avioniques, etc. C'est tout du vrai de l'avion. Donc il a littéralement été découpé et puis ils l'ont mis. Et l'autre, c'est un NGX, donc de toute dernière génération de Pilatus qui vient de sortir avec tout ce qui va avec l'autotrust, etc. Plus de termes pilote-pilote. Donc j'ai pu tester le NGX le tout dernier et puis la chose qui fait que ça a été attesté c'est que chaque test qu'on fait en vol, chaque sensation a été reproduite au maximum pour représenter cet avion précisément. Donc la force qu'on a dans le lieu quand on tire, que ce soit sur les commandes ou la sensation qu'on a au pied ou autre, tout est fait pour que ce soit exactement pareil. Et c'est pour ça que ça coûte extrêmement cher de les Bah oui. valider dans la vraie vie, Oui, bien enfin sûr. dans la vraie vie, de les valider pour que ça compte. Voilà. Et puis tout a été créé, même la scène. Donc
moi personnellement, toi aussi Stéphane, on joue sur Microsoft Flight Simulator. Eux, c'est un simulateur qui a été créé pour le PC 12. Donc il n'existe nulle part, c'est juste pour cet avion-là. Donc rien que les techniques de vol, comment est-ce qu'il se comporte dans l'air, etc., tout a été reproduit à l'intérieur. Il n'est pas sur Vérin par contre, parce que on dépasse encore plus. Déjà qu'il coûte des millions à la fabrication, donc on dépasse encore plus les millions sur des Vérin. Mais il est il est sans vérin, mais il est homologué. Et puis vu que c'est le seul, ils l'ont homologué FAA, Canada, EASA, OACI. Et du coup, il y a des personnes du monde entier qui viennent dans ce simulateur-là pour faire leur formation. Ça, c'est un truc de ouf. Voilà. Quand tu me l'as appris, c'était lors de l'un de tes lives, etc. C'est Shapex qui a un seul simu pour le Pilatus, etc. Avec Vérin, évidemment, c'est ce qu'ont les vrais pilotes. Hein. Vous le savez, les vrais pilotes, c'est tous les ans, je crois, repassent des qualifications, etc. Ils doivent faire des séances de simulateurs, etc. Tous les ans. Donc ça, c'est sur Vérin. Ça coûte une fortune. Alors, on peut aussi le faire avec celle qu'on a à la Blecherette, hein. Les qualifications, c'est juste qu'il n'est pas sur Vérin. Okay. En fait, quand on le met sur Vérin, là, on peut les compter en heures de vol qu'on marque dans son carnet au tout début, comme des heures de vol qu'on a fait en vrai. Okay. Quand il n'est pas sur Vérin, c'est des heures de vol simu. D'accord. Ça revient presque au même. Ouais, c'est une petite. Mais bon, on va dire que ça, c'est de la partie administrative de la chose. Voilà. Mais c'est important de remplir son carnet de vol, c'est important pour comptabiliser tout simplement les heures. Hein. Quand les pilotes vous disent ils ont 5000 heures au compteur, j'en passe, c'est des meilleurs ou moins que 5000 heures. Hein. Ça part de zéro et ça va jusqu'à beaucoup d'heures. Jusqu'à la retraite. Il y en a qui ont 5 chiffres hein, quand même. Certains pilotes que je connais ont quand même 5 chiffres devant la lettre H. Pour les heures, c'est quand même impressionnant. Arrive à 6, il est fort. Ah oui, celui qui arrive à 6, il est fort. Alors, on a. Je le connais pas. Non, personnellement non plus. Alors, Playfox nous dit qu'il a vu tout à l'heure ta vidéo datant de 3 ans quand tu avais fait ton 270 km PPL Guillaume. Bon, je sais pas. Oui, en plus, je partais de Sion, Playfox. Ah, partais de Sion, voilà. Oui, donc tu veux dire la nave des 150 nautiques. Parce que je sais pas pourquoi tu... Parce que Playfox, soit tu me parles en aéronautiquement parlant et je te comprends, mais si tu commences à me traduire l'aéronautique en kilomètres... Bon, je l'ai fait tout à l'heure, mais ça, c'est pour les gens qui comprennent pas. Mais tu me prends pour un débutant, Fabien, c'est quoi ce bordel? Alors, la question de Delta Tongo, enfin pas une question, est-ce que le simulateur justement du PC-12 qui est à Lausanne, est-ce qu'on peut le comparer, je pense que tu connais Guillaume, cette entreprise Aviasim qui permet à des gens… Oui, qui est à Lyon. Il y en a un peu partout en France, hein. Enfin partout, il y en a, cinq ou six. Est-ce qu'on peut comparer, est-ce que c'est comme Aviasim? Moi j'ai envie de dire non. Pourquoi je dis non? Parce que tu as bien dit que eux, ils ont le simulateur qu'ils ont créé n'est pas du FS 2020, etc., etc. Et que Aviasim, en général, ils travaillent avec P3D principalement, etc. Donc ça n'a rien à voir avec un vrai simulateur. Alors je sais pas, je veux pas forcément me prononcer là-dessus parce que je ne sais pas s'ils ont des certificats. S'ils ont le certificat de la DGAC qui atteste comme quoi ils sont attestés FNPT et que tu peux faire tes heures là-dessus, oui, c'est pareil. Mais si c'est juste pour du fun où tu as ton A320 où tu t'amuses dessus et puis qu'il n'est pas certifié, c'est vraiment pas du tout pareil parce que ce n'est pas fait pour, c'est plus pour du loisir et que les personnes voient qu'est-ce que ça fait d'être dans le cockpit. Donc, je sais pas. S'ils sont certifiés, oui, c'est pareil. S'ils ne le sont pas, c'est pas pareil. Non, ils sont pas certifiés. C'est juste un truc pour les gens qui veulent s'amuser, etc. Denis dit ça parce que Denis, sa femme lui a offert une séance de simulateur. Alors, tu vas prendre ton plaisir, hein, etc. Mais alors, le simulateur, il n'est absolument pas sur Vérin, déjà, pour commencer. Non, il n'est pas sur Vérin. Après, il va être sur P3D ou je ne sais pas quoi, etc. Mais bon, c'est sympa. Non, mais
T'inquiète pas, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais ça n'a rien à voir avec un simulateur professionnel comme a pu faire Guillaume, où tu as d'autres sensations que là tu n'auras jamais chez Aviasim, mais au moins tu pourras décoller, etc. Le gars va t'expliquer les différents instruments, etc., etc. Et puis tu choisiras C'est ton très instrument immersif selon en le tout tien. cas, c'est le but. Ouais, voilà. Mais ça a dé... Alors, certains, ça leur a déclenché des carrières aéronautiques. Ah oui, alors ça c'est sûr. Si Voilà. Et tu as puis, la... voilà. Et puis Tim, qui était là tout à l'heure, qui lui, comme tu le sais, Denis et Guillaume, maintenant tu le sais aussi, qui est pilote professionnel, qui pilote sur Oui. Airbus, etc. Il a été instructeur dans un centre Aviasim pour hein, faire un petit peu de pognon aussi, pour bouffer, autre que des pommes de terre. Il a aussi eu des pilotes professionnels qui venaient faire des entraînements comme ça, ou parce que leur copine ou leur Comme ça coûte moins copain. cher. Ouais, bah voulez s'amuser, etc. Donc, mais Parce que, tu verras, ouais. tu passeras un bon moment. Alors, le PC12, on va en voir d'autres. On va aller sur, comme tu es suisse, bah on reste en Suisse. On va aller chez Fly 7 ou Fly 7 pour les Français, mais comme c'est marqué déjà en anglais, Fly, on va dire 7. Donc une entreprise suisse Juste. sympa qui eux ont toute une flotte de PC12. Alors on va aller sur le menu, hein. Je fais tout en direct, les gars. Moi, je suis comme Michel Doguer avec mes fiches, etc. Donc voilà, en plus, c'est marqué en les trucs en allemand. Alors, il y a les PC 24 que j'aime pas trop. Hein. Regarde, on les voit à l'antenne, les deux, le Lima X-Ray Delta Charlie 2x et le Zulu Alpha Papa C'est Lugano, les deux tiens. qu'ils ont. Ouais, mais ils sont pas. La gueule, elle est. Non, j'aime pas trop. Bon, on va regarder les PC. Alors, ils en ont plein des PC12. Hein. Regardez les PC12. Il y a Zell-Amsi, qui est apparemment qui est un lac en Suisse, si je dis pas de bêtises. Lausanne, évidemment. Orléans, tiens, ça c'est en France. Biggin Hill, en Angleterre. Un aérodrome super sympa. Clermont-Ferrand, en France. Regardez, on l'a vu avec les chevaux. Le Stadtsannen. Je sais pas si je prononce bien. Parce que j'ai eu. Pas diplômé d'allemand, C'est voilà, juste, c'est c'est juste. sympa. On a Dijon, la moutarde en France. On a Weston, je sais pas où c'est. Alors, lui, il est matriculé Éco-Juliette. Je sais pas ce que c'est, Éco-Juliette. Je sais pas où c'est que c'est. Lausanne, encore le Weiner Neustadt-Ost, donc la nouvelle ville à l'ouest, Weiner bah, de Vienne. Voilà, sympa aussi, j'aime bien avec les flammes. Annemasse! Annemasse! Ah, Lima Et oui, Centauri, ils en ont un tiens. basé en masse. Ouais, magnifique. On l'a vu dans la vidéo, le Eco Alpha Uniform, le Weiner Neustadt Ost, encore, voilà, la nouvelle ville de l'ouest de Vienne. Annemasse, il y en a encore un autre. Ils sont sympas hein, quand même, regarde. Ils sont beaux tous ces avions, le Schnatt. Ils ont tous les mêmes noms, hein, par contre. Hein. Mais ils Ah, ont des très belles livrées. ouais. Mais ils en ont une truc. Laval, en France. Hein. Pas très loin de chez toi, ça, Denis, Laval. Va. Paris-le-Bourget. Ah, c'est original, ça. Paris-le-Bourget. J'aime pas. Ouais, j'aime pas mal aussi. Annemasse, encore. Putain, Lausanne. Il est pas mal, celui-là, le India Bravo Zulu. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Oui, le IBZ, c'est un des tout nouveaux qu'ils viennent de Ah, recevoir. ok. C'est Et un on a. NGX. Ah oui, alors le Il est NGX, sympathique. hein, le NGX, j'ai pas dit à Guillaume en préparant l'émission, c'est que toutes les abréviations, normalement, il faut les dire. NGX, c'est Next Generation, ça veut dire. D'ailleurs, tiens, aéronautiquement C'est parlant, juste. je sais pas si vous avez fait attention, Oui. aéronautiquement parlant. Non, je parle pas à toi, Guillaume, parce que toi tu sais tout, t'es Ah, chiant, toi. pardon. Le X est une lettre très courante qu'on retrouve dans l'aéronautique et dans l'aéronautique américaine. Je sais pas si vous faites attention, mais regardez, vous avez LAX pour Los Angeles. Vous avez XPDR pour l'abréviation de transpondeur. Les Américains adorent utiliser la lettre X, X-ray, dans l'alphabet aéronautique pour plein de choses. Allez faire un tour du côté de l'aéronautique américaine, vous verrez, il y a des X partout. Ils adorent ça. Je sais pas si tu le savais, Guillaume, peut-être que je te l'apprends, mais la lettre X, elle est répandue aux États-Unis pour énormément de choses. Voilà. Est-ce que tu le savais, Guillaume? Non, il savait pas, Guillaume. Il savait pas, Guillaume. Non, Et toi, c'est il une savait. excellente question, je ne le savais pas. Voilà.
Il est nul, mon invité, il est nul. Pardon, je plaisante. Merci, merci, merci. On a le PC12 Cargo aussi, le Zweibrücken, deux fois, avec l'abréviation de Basel ici, le BSL, et de Zurich, ZRH, pour les codes IATA. Donc les codes IATA c'est 3 lettres, les codes ICAO c'est 4 lettres. Les PC12 médicaux, notre off Oui. PC12, ouais, et il est pas mal celui-là, moi j'aime bien. Bleu comme ça, Le métallisé, PC12 médico, ouais. ils sont pas mal dans l'aviation pour les Medevac ou les Evazan. Voilà. Evazan, c'est l'abréviation de évacuation sanitaire, et Medevac, c'est Medical Evacuation en anglais. Bah voilà, on a fait le tour des. Voilà, il est sympa. Ainsi, t'es allé voir. Hein, Des appareils. ainsi, t'es allé voir. Alors, apparemment, ici, ce sont toutes les bases de Fly Seven. Donc, on a Luxembourg, C'est exact. Paris, Orléans, Clermont-Ferrand, Dijon, d'où le nom de leurs appareils. On va continuer. Annemasse, Lausanne, Stade-Sanen, Berne. En Autriche, on a Zell-Amsi, voilà. Et puis ici, on a, bah voilà, Rainer Neustadt Ost, etc. Ah, c'est un truc terrible, ça. En Italie, on n'a pas. Ah, mais y a pas. De toute façon, en Italie, il n'y a rien. Donc, non, je déconne. Quelle heure est-il? 22h41, on va finir tranquillement ce live. On voit les vidéos qui sont avec nous. Les vidéos qui sont tirées du site YouTube que le bot vous a envoyé. Je rappelle que Guillaume, il a un Twitch. Alors, Guillaume, tu es en live demain, si on va le rappeler, à partir de 19h. Tu nous fais du PC12, hein, Guillaume, comme ça. Je vous fais du PC12. Ouais, comme ça, on poursuit un peu le live de ce soir, parce qu'on devait te faire voir, mais bon, on ne savait pas comment faire, etc. Comme ça, que tu nous fasses un bon petit live, comment on démarre un PC12. Moi, j'aime bien quand tu expliques ça, etc. Puis après, tu as ton côté foufou. Voilà, avec quelques tours de piste. Moi, j'ai bien aimé le live avec tour de piste à Genève, là où c'est un peu tronqué l'arrivée. Tu nous avais expliqué ça en live. Ça pourrait être sympa que tu le fasses aussi demain. C'est une idée que je te dis, hein. Après, tu fais ce que tu veux demain, hein. C'est ton live à toi. On regardera, on Mais regardera. je serai avec toi. On va finir avec. Alors attends, Playfox, pas de carte VAC en Italie en plus. Alors, Playfox, je vais t'expliquer un truc. Il n'y a pas de carte VAC parce que il n'y a pas de carte VAC. Est-ce que la réponse te convient? Mais par contre, tu trouves des cartes, hein, VAC ou pas VAC, hein, visual approach chart. Carte d'approche à vue, tu les appelles comme tu veux, en français, en anglais, en italien aussi, si tu veux. Mais tout est compréhensible. Et l'avantage de l'ENAV, donc l'ENAV, c'est le AIS en anglais, Aeronautical Information Service italien, où tu retrouves les cartes, l'AIP, voilà, section AD2, comme tous les AIS, même le Suisse, il est fait pareil. Hein. Alors, ça, c'est aussi un truc aussi, hein, Guillaume, c'est important de le dire. Tous les AIS, donc en français c'est SIA, Service Information Aéronautique, mais en anglais AIS, Aeronautical Information Service, ils sont tous faits de la même façon. Donc pour aller voir les cartes d'aéroport, c'est le chapitre AD, AD qui est l'abréviation de aérodrome, et 2, AD2, et puis après tu as toute la liste des aéroports. Nous en Italie, on a des cartes en couleur, en France c'est noir et blanc, c'est horrible. En Suisse, je sais pas parce que j'ai pas accès à l'AIS Suisse, enfin comme ça sur internet. Suisse est en couleur. Et bah tu vois, en Suisse c'est en couleur, tu vois, comme on est bien, toi et moi, Fabien plus Guillaume, on va bientôt faire un ménage à trois, ça va être un truc horrible. Allez, on va finir, Guillaume, avec Ivao parce que tu contrôles sur Ivao. Tu Oui, contrôles je contrôle aussi sur la voilà, voix. tu contrôles souvent la position de Genève. Et d'ailleurs, on a prévu avec Guillaume et la team MN208. Et d'ailleurs, Guillaume, on va t'inviter dans la team MN208. La team MN208, Guillaume, ce sont Merci. que des pilotes. Dis-moi. Que des pilotes, des contrôleurs aériens, des grands passionnés. Donc, je te donnerai le lien de la team. Et tu pourras. D'ailleurs, Fabien est dans la team MN208. Donc, ça serait bien qu'on ait deux Suisses.
dans la team UN208. Donc, Et de Suisse solidaire. Voilà, je te filerai le lien. Tu auras un petit truc à remplir, hein, tu verras quand tu rentreras. Et avec grand plaisir, tu passeras quand tu voudras. Il y a toujours quelqu'un pour discuter. Tu passes quand tu veux, quand tu vois de la lumière, voilà. Tu pourras passer, mais avec grand plaisir, tu pourras rencontrer plein de gens sympas et pourquoi pas bah, participer aux événements qu'on organise dans la team, événements réels. Tu me parlais que tu pouvais venir à Annecy, on en reparlera, mais pourquoi pas et tu pourras rencontrer que des mecs, je suis désolé, il n'y a pas de nana, mais que des mecs, mais que des pilotes, que des contrôleurs aériens, enfin. Que des gens du monde aéronautique, Guillaume. Voilà. Alors, on va finir avec Ivao. Sympathique. Donc, tu contrôles. Oui, c'est sympathique. Depuis 7 ans que je fais ça, oui, crois-moi, c'est sympathique. C'est tous mes enfants. Je les aime tous. Ils sont chiants, mais je les aime bien. Tu contrôles sur Ivao, à Genève. On va faire un événement entre Orly et Genève. On verra quelle date choisir, etc. Tu as participé aussi au RFE. Qui est l'abréviation de Real Flight Event à Zurich, C'est donc juste. ce que font toutes les divisions d'IVAO, ils font des RFE. Il y a une vidéo, donc je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube pour voir la vidéo du RFE de Zurich où vous étiez en direct depuis la tour de Zurich. C'est un truc de dingue, ça, Guillaume. Ouais, c'est cool. C'était sympathique. C'était alors on était nos bureaux et où on contrôlait, c'était dans l'ancienne tour de Zurich. Ouais. Et puis on avait des visites prévues toutes les 30 minutes où on pouvait aller dans la tour, la vraie de Zurich et voir qu'est-ce qui se passait. C'était D'accord. vraiment cool. Alors, la vidéo, juste préciser qu'elle est en anglais. Hein. Je crois que tu l'as fait en anglais, la vidéo. Hein. Si je dis pas Et de en bêtises. français aussi. Et les Ah, deux. ok, en français. Et Playfox nous dit qu'il avait volé ce jour-là. Attends, Playfox, il n'arrête pas d'écrire. Et le de Suisse versus le monde. Oui, bah, oui mais on va faire rentrer Guillaume dans la team MN 208 et il aura certainement plaisir à discuter avec certaines personnes en fonction du temps qu'il a, bien évidemment. Donc oui, je disais, Ivao, donc tu as participé au RFE, tu fais tes vols sur le réseau Ivao, tu fais tes vols toujours Oui. en anglais, j'ai remarqué. C'est une volonté de ta part de faire l'ATC, enfin, la partie radio en anglais. Je t'ai jamais vu, enfin entendu plutôt, et vu aussi faire un live, faire de l'ATC en français, même quand tu pouvais voler en France. C'est Ah, une volonté. ça dépend. Il y a des Ah. lives où quand je vole en France, je parle en français pour que les gens comprennent. Et d'autres, c'est que j'ai tellement l'habitude de parler en anglais en Suisse. Et puis quand Ouais. je vole en vrai, ça me vient tout seul de parler en anglais, Ouais. mais je peux le faire en français. Ok. Mais c'est vrai C'est une bonne question. il a non, mais c'est pas... non mais je me posais la question pourquoi tu fais tout en anglais? Donc la question c'était de me dire pourquoi tu fais tout en anglais? Est-ce que c'est pour toujours perfectionner your English ou est-ce que c'est pour te la péter comme on dit en français? Non, c'est pour perfectionner ton Ah anglais. non, c'est en tout cas Voilà. pas pour me la péter. Ouais, je sais, Mais je c'est sais. juste par habitude, en tout cas, je pense. C'est par habitude. Après, je Ouais. sais qu'en vrai, quand je fais mes voyages ou autre et que je vais en France, je parle tout le temps en français. C'est que j'ai passé mes examens IFR et autres en anglais, du coup, je parle en anglais. C'est une très Ouais. bonne question. Je sais pas pourquoi je parle en anglais quand je suis Non, en mais France, mais après, voilà. tu as un excellent niveau d'anglais, donc tu peux te permettre de parler en anglais. Ivao, qu'est-ce qui t'apporte, hein? À Ivao, j'ai beaucoup volé avant que je fasse ma licence, comme je disais avant. Donc, j'ai appris pas mal de choses sur Ivao. Et puis aussi de se mettre de l'autre côté, du côté contrôle. Tu apprends aussi pas mal de choses parce que vu qu'on a pu faire les Real Flight Events, on a pu parler à des vrais contrôleurs, voir comment est-ce qu'ils travaillent, etc. Donc, du point de vue du pilote, c'est aussi intéressant de voir des deux côtés comment ça se passe. Et puis, il y a de tout sur Ivao. Il y a des professionnels, il y a des amateurs, des débutants qui n'ont jamais volé, des personnes qui volent depuis très longtemps mais qui n'ont pas de licence. Donc il y a plein de choses, c'est assez intéressant. Tu apprends beaucoup de choses et c'est pour ça que je vais sur Ivao. Puis aussi, ça rajoute un peu de réalisme quand tu voles dans ton avion, dans ta chambre tout seul. C'est sympa d'avoir un contrôle aérien et qui te
qui te clear pour des choses. Puis quand tu vois aux alentours, tu vois des avions qui te passent à côté, tu te dis, ah, il y a quelqu'un qui est aussi dans sa chambre en train de s'amuser. C'est assez sympa. Voilà. Allez, il nous reste. On va finir à 23h pile, parce que je sais que je te l'ai dit, j'aime bien les chiffres ronds. Ça te va 23h c'est bon pour toi, Guillaume? C'est parfait. Ok. Oui, oui. Comment tu choisis tes vols sur Ivao? Alors, je t'ai vu hein, en live, hein, tu regardes WebEye comme beaucoup de gens. Bah, tiens, là, c'est contrôlé. Tu les choisis par rapport aux contrôleurs qui sont ouverts ou tu te dis, ou est-ce que tu choisis tes vols? Tu te dis, bah, tiens, aujourd'hui, avec mon PC12 ou mon Airbus, parce que malheureusement, si tu as un gros défaut, c'est que tu voles en Airbus. Bon, ça, c'est pas grave, ça te passera avec l'âge. Ou tu te dis, bah, tiens, aujourd'hui, je vais faire. En liner, ce vol-là, est-ce que tu recopies des vols réels ou est-ce que tu te dis, bah tiens, je fais un vol comme ça parce que j'ai envie de m'éclater, quoi. Je dis toujours que je fais un vol comme ça parce que j'ai envie de m'éclater. Je pars du principe, j'ai pas mal d'amis qui aiment beaucoup recopier pile poil la vraie chose, que ce soit parfaitement RP comme ils appellent ça et que ce soit exactement dans la même vraie vie. Je pars du principe que je fais, c'est déjà assez chiant de devoir suivre toutes les règles dans la vraie vie. Donc, je me dis, j'ai envie de me faire ce vol-là. Je vais sur Simbrief, je fais le vol. Simbrief me sort cette route. Ça me va très bien, même si elle n'est pas Eurocontrol. Ça ne change pas ma vie. Je fais mon vol. Je contacte les personnes comme il faut le faire. On s'amuse, on s'éclate. Et puis, j'y vais comme ça. Je regarde principalement sur où il y a du contrôle pour que ce soit divertissant, pour que pour moi aussi, même si je fais pas de tweet, je regarde pour que ce soit divertissant pour moi, pour avoir des discussions et puis pour que ce soit intéressant et pas juste rester derrière son écran en vol de croisière à rien faire et avoir les bras croisés sans rien faire. Donc je regarde où est-ce qu'il y a du contrôle. Et puis des fois c'est juste parce que MFS c'est un jeu extrêmement bien fait qui est extrêmement joli. Je me dis, tiens, pourquoi pas aller aux Maldives ou pourquoi pas aller aux Seychelles ou autre et puis faire des atolls. Et puis, même s'il n'y a pas de contrôle, c'est juste pour la beauté. Voilà. L'avantage du simulateur, c'est qu'en restant le cul sur un canapé, on peut, comme tu dis, partir aux Maldives tout en étant à Lausanne. Ça, c'est vrai que c'est l'avantage du simulateur. C'est ça. Tu m'as dit ça, tout à cool. l'heure, quand on a discuté en préparant l'émission, que bah, je te disais, que je t'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps. Ouais. Tu sais, moi, j'aime bien faire la chasse indirectement à tous les streamers. Alors, pourquoi je fais ça? Bah, parce que, bah, voilà, une belle découverte. Matt Duffy, donc Guillaume, et donc faire le live ce soir avec lui, puis comme d'autres découvertes, puis d'autres, bah, des streamers que, bah, voilà, que je regarde mais que je ne contacte pas parce que. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Allez voir Guillaume demain parce que Guillaume, encore une fois, et c'est pas comme on dit vulgairement, lui lécher le cul, mais c'est que aéronautiquement, il apprend des choses. Voilà, tu as des streamers, ils font des lives, ils appuient sur un bouton, mais ils ne savent pas pourquoi ils appuient sur le bouton. Si, ils le savent parce qu'ils ont lu ce qu'ils appellent les checklists. Guillaume, il a des checklists, mais par contre, Guillaume, quand il démarre son PC12, moi, tu m'as vraiment subjugué, enfin, tu m'as cloué le bec avec ton PC12, c'est que tout ce qu'il fait, il vous l'explique, et on sent que c'est pas du lu, on sent que c'est indirectement du vécu, même si aujourd'hui, il n'est pas encore qualifié, il n'a pas sa QT, comme on appelle, sur le PC12, mais je sais qu'il va l'avoir, et je te le souhaite de tout mon cœur, Guillaume. Ça, c'est vraiment ce que je te souhaite de tout mon cœur, c'est de l'avoir. Donc voilà. Et donc j'ai découvert Guillaume et tu m'as dit qu'il y a 4 semaines, donc il y a un mois, que tu t'es lancé dans les streams. Alors, question, pourquoi tu t'es lancé à faire des streams? Qu'est-ce que tu recherches en ayant créé ta chaîne Twitch? Et j'espère que tu auras plein de nouveaux viewers. Hein. Je vous invite vraiment à follower sa chaîne pour avoir les notifications. Mais pourquoi il y a un mois, tu t'es dit, tiens, moi, Guillaume, le cul sur ma chaise, je vais faire des streams. Le pourquoi du pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Alors j'avais commencé à faire les vidéos sur YouTube. J'adore monter et présenter des choses que j'ai faites ou bien des parcours, parce que c'est toujours intéressant de montrer les parcours. Par exemple, quand je voulais aller en Corse, ça me faisait plaisir de partager ce voyage parce qu'il y a des gens déjà de 1 qui ne peuvent pas le faire pour raison financière. Donc, je me dis, je leur partage déjà ça et ça leur fait plaisir de voir
des choses que peut-être eux ne pourront pas voir. Donc ça, c'était l'une des principales choses pour YouTube. Et puis j'avais un ami, enfin j'ai toujours un ami qui fait des live Twitch. Et puis j'allais souvent le regarder. Et puis ça m'est arrivé assez souvent de me dire, j'aimerais bien faire des live Twitch, mais j'avais pas la petite étincelle qui me dit, vas-y, lance-toi. Donc je restais sur YouTube et puis je faisais mes vidéos. J'avais aussi l'ordinateur qui ne suivait pas vraiment. Et puis j'ai eu ensuite un nouvel ordinateur et puis je continuais à regarder mon ami et tout à coup je me suis dit qu'il faudrait quand même que je fasse un live Twitch où je vole et autres parce que j'aime beaucoup partager les choses que j'apprends parce que je trouve intéressant que les personnes puissent comprendre aussi qu'est-ce que je fais et puis pourquoi et du comment. Donc j'aime bien partager mes connaissances. Comme ça, tout le monde en profite. Et je me suis dit, vas-y, on va faire des live Twitch où je vole et autres. Et puis, si je joue à un autre jeu, bah, pourquoi pas le mettre sur un autre jeu si j'ai pas envie de voler le moment même, pourquoi pas. Et comme ça, je partage aux gens. Et après, je me suis dit, on va aller plus loin parce que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu ça. Et je me suis dit, je vais essayer de faire un live en direct où vous entendez le contrôle aérien et tout. Et là, je me suis dit, et là, j'ai eu un but en fait parce qu'il me faut toujours un but pour faire quelque chose. Et là, j'ai eu le but et je me suis dit, allez, go. On y va et du coup, c'est mon but, faire des lives en réel. Voilà. Bah écoute, moi je trouve que c'est une très belle conclusion ce que tu viens de dire et je ne peux que te remercier parce que j'ai été élevé comme ça par mon père. Alors je ne sais pas si tu t'avais dit, mais mon père, pourquoi je suis dans l'aéronautique ? Parce que mon père il n'est plus là, mon père, il me regarde de là-haut, mais il était commandant de bord, enfin, il a fini sa carrière commandant de bord, dans une compagnie que tu connais, la compagnie Blanc-Rouge nationale, enfin pour moi, pas pour toi, Air France, etc. Et voilà, et il m'a tout transmis, tout ce que je sais, c'est lui qui me l'a transmis, puis d'autres, nos pères, comme on dit. Et ce que j'apprécie en toi, et ça malheureusement, je suis désolé hein, pour les streamers qui font des streams comme ça. Alors c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de viewers que peut en avoir Matt Doufy, Guillaume ou moi-même, mais ils apprennent rien. Matt, je vous invite vraiment à follow sa chaîne parce que il a 25 ans, donc pour moi c'est un gamin, un mioche comme on dit, mais il a envie déjà à 25 ans, non mais c'est vrai, tu as envie à 25 ans de transmettre ce que tes pères t'ont appris. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et quand tu as un gars qui est du monde réel et quand, franchement, quand tu démarres ton PC12, que tu expliques toutes les actions que tu fais, etc., et que tu n'es pas le gars, tu n'es pas le streamer qui dit « Attends, il faut que j'aille chercher ma checklist, alors before take-off, maintenant, checklist complete, etc. » Donc, je trouve ça magnifique qu'à 25 ans, tu aies déjà l'envie de transmettre, c'est-à-dire que toi, tu es encore en train d'apprendre. Mais il y a tellement de choses que tu sais et tu te dis à 25 ans, j'ai déjà envie de transmettre et donc de partager cette passion, de donner l'envie à des jeunes qui aujourd'hui ont peut-être 10, 12, 14 ans, 16 ans, enfin des adolescents et qui ne savent pas où aller dans le monde aéronautique. Toi, tu as passé le pas comme tu l'as expliqué en début de live et tu as déjà l'envie de transmettre. Moi, je trouve ça magnifique. Et moi, ce sont des gens comme toi que j'apprécie parce que, en gros, tu sais des choses, mais il y a tellement d'autres qui en savent plus que toi. Tous ceux qui sont là-haut, des Blériot, des Mermoz, des Saint-Exupéry, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, Guillaume. Parce que s'ils n'étaient pas là, eh ben, nous, on ne serait pas là. Voilà. C'est vrai. T'as envie de transmettre et je trouve que c'est magnifique à ton âge de transmettre ces choses-là. Donc, un grand merci à toi. Moi, je t'encourage à continuer comme ça. Bon, par contre, tu laisses tomber l'Airbus. Hein. L'Airbus, ça ne te va pas. Mais non, tu mesures. J'aime bien cet Airbus, moi. Mais non, mais ça ne te va pas. Tu n'es pas à l'aise. Je te sens pas dans l'Airbus. Toi, t'es PC12, voilà. Non, mais un grand. Ce serait la guéguerre. Voilà, la guéguerre. Entre Airbus et Boeing, mes deux grands constructeurs, même si la presse n'arrête pas de parler de Boeing.
Sauf que la presse, elle De oublie Boeing. elle oublie de parler de d'Airbus qui, eux aussi, ont des problèmes de temps en temps. Voilà. Alors, Ah déjà, tu as un nouveau follower demain soir. Tu auras Delta Tango 22. ouais. C'est mon copain Denis Merci beaucoup, Delta. Merci. de la Bretagne, que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière quand on a fait le premier volo ensemble, l'événement de la team, où tous les copains de la team, enfin tous ceux qui peuvent, on part avec nos avions et on se retrouve sur un aérodrome. L'année dernière, c'était la Baule d'Escoublac, je t'en ai parlé tout à l'heure, et cette année, 8, 9 et 10 mai, on va se retrouver à Annecy. Voilà, Annecy, Mettay, on sera en Haute-Savoie. Playfox devait venir, mais malheureusement, il est dans ses examens, donc il ne pourra pas venir, mais il y aura d'autres occasions. Il est 22h50, t'as vu comment on est précis? Hey, comme une horloge suisse, hein, comme on dit. Très très précis, Voilà, comme on est une horloge précis. suisse. Alors, en tout cas, un grand merci à toi. Il y aurait plein d'autres questions à te poser, mais je voudrais un grand, grand merci à toi. Demain soir, je serai là, hein, on va rigoler un petit peu. Allez voir Matt Duffy, le bot vous a envoyé la chaîne. C'est Matt Duffy, M majuscule A2T, D majuscule 2O et FY. À partir de 19h local, donc 18h UTC. Tiens, en parlant d'heure UTC, on change, hein, pour le week-end de Pâques. On passera en UTC plus 2, la Suisse comme la France, la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars. Oui, c'est ça. Ben, on va dormir une heure de moins, puisque quand il sera 3h du matin. Il sera 2h du matin. Non, tant qu'il sera. Enfin bon, bref, on dort une heure de moins, c'est un bordel, c'est UTC plus 2. Donc en gros, quand il sera 10h UTC, il sera midi à Berne comme à Paris. Voilà, aujourd'hui, quand il est 10h UTC, il n'est que 11h. Vous avez compris? On va dormir une heure de moins. C'est chiant, hein, quand même. C'est comme ça. Un grand merci à toi, Matt. Allez, Merci à toi, Stéphane. le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire de ce live? On a fait 2 heures de live. J'ai envie que tu dises le mot de la fin. Allez, le mot de la fin, c'est toi qui le dis. Et après, je balance la bande-annonce. Et puis, on reste 30 secondes ensemble en privé pour débriefer. Le mot de la fin, mon petit Guillaume. Bah écoute, merci beaucoup Stéphane de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir de présenter ce live. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. C'était très intéressant. Merci à Delta de m'avoir suivi sur Twitch et les autres. Je ne sais pas si d'autres personnes ont suivi. Si, si. Merci. Merci pour la petite surprise qui m'a fait plaisir de voir toutes ces Hein, belles livrées. t'as vu ça? Et puis, j'ai hâte de vous voir demain à 19h. Ah oui, il y a un terrain. Demain à 19h, on est tous chez lui. Allez, la bande de fin, on reste quelques instants encore ensemble. La bande de fin, c'est tous les copains de la team MLN 208 que je connais en chair et en os. Voilà, Bastien, contrôleur aérien, Dorian, pilote, Kevin, contrôleur aérien, pilote, Nico, ingénieur aéronautique, Robin, pilote et contrôleur aérien. Oula, ça va vite, hein. Alexandre, contrôleur aérien et pilote, Baptiste, contrôleur aérien militaire, Denis, c'est le joueur de pétanque. Ah, ça va trop vite, j'ai pas le temps de tout lire. Ils sont tous pilotes ou contrôleurs aériens, les copains de la team. J'ai créé un truc il y a 7 ans, mon pauvre Guillaume, tu peux pas savoir. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Voilà. Il y a Paul, futur ATPL aussi. On fera un live prochainement avec mon copain Sylvain, qui est copie chez Ryanair. Et lui, il pilote des Boeing 737. On vous fera un live avec lui. On ira voir un peu comment ça se passe dans un Boeing. Les gens n'aiment pas Boeing parce qu'il paraît qu'il y a trop de boutons. Airbus, c'est vrai que tu as deux boutons. Tac, tac, et tout Ah, marche. Voilà. t'abuses un peu là quand même. Voilà, un grand merci à vous tous. Ce prochain live, c'est samedi pour la matinale. Ça, c'est du contrôle aérien sur la plateforme d'Orly. Je pense que je serai au sol avec Patrick qui sera à la tour. Patrick, je ne sais pas si tu es encore là. Mais on sera là samedi matin entre 8h et midi. Je peux vous dire, ça cartonne. On arrive à faire 30 trafics en 4 heures, etc. Voilà, un grand merci à vous tous. Moi, je vais rester quelques instants avec Guillaume. Merci Bibouni 23. Bibouni, tu peux follower la chaîne, hein, comme ça tu auras les notifications bah, quand je serai en live. Et puis aussi, tu vas follower la chaîne de Matt Doufi. Bisous à tous et un excellent vendredi, un excellent week-end. Hop là.